Bonjour, Bonjour, bonjour. bonjour. On parle en même temps Bonjour. du coup. Oui, pardon. Salut! Comment ça va? Donc. Y a eu un petit couac au début du stream, j'avais le stream en fond, et du coup on a eu Ouais. deux fois l'audio. Génial. On se fera pas D'ailleurs, strike fais si gaffe. c'est deux fois la même musique qui joue à une seconde d'intervalle. D'ailleurs, tu feras gaffe, mais on entendait aussi un petit peu les pop-up Discord aussi au début. C'était peut-être un Ouais, mini alors je sais couac. pas pourquoi, parce qu'il me semble que normalement Discord met pas de pop-up bah, quand t'es en communication. Sais Je sais pas pas. si c'est Salut ce que j'ai pour GatGat! sourdine. Bonjour le GatGat. Comment ça va? C'est en Alors, forme. ça a l'air de bomber de ouf. Donc, bah vas-y, bah qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah bah déjà on va pouvoir rappeler où on en était. Yes. On a une nouvelle intéressante, c'est qu'on a enfin commencé à mettre les rediffusions sur YouTube. Yes! Il y a la première rediff qui est Super! arrivée sur YouTube. Qualité. D'ailleurs, tous les liens sont dans la bio de GM Spell. Il y a un petit link sur la description. Si on clique dessus, vous avez l'invitation Discord, il me semble, le YouTube et la chaîne Twitch également. Donc, go notes. Et du coup, ouais, on a juste remis la vidéo et tout. D'ailleurs, je pensais peut-être que là, je vais bientôt essayer de refaire des résumés de tous les lives et tout pour notre développement, pour que ce soit peut-être plus clair, pour que les gens qui ont seulement 10 minutes à perdre bah, puissent suivre l'aventure même sur YouTube. Ce sera très résumé. Il n'y aura peut-être pas tous les couacs et tout ce qui fait le sel du fait qu'on est des amateurs complets en stream, mais Des amateurs complets en quand stream, même mais bien marrant. Mais ça, je ferai ça. J'essaierai de faire ça proprement et pas de façon dégueu. Exact. Et donc, du coup, aujourd'hui, le titre du stream, quand même, le mock-up. Est-ce que, Hüller, tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un mock-up pour ceux qui ne sont pas il me versés dans semble le que ça lexique? s'appelle comme ça, hein. Je suis plus sûr. En gros, le D'accord, mock-up, alors. c'est quand on a en fait des démos, mais enfin des. En fait, c'est une maquette visuelle de ce que serait le jeu et de ce que serait l'interface, de ce que serait un état précis à un moment donné. Il me semble que c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est possible que je confonde avec un autre terme. On a encore le son des notifs Discord par ici. Bon, Tabernacle. mute les natifs Discord à la rigueur. Ouais, alors je sais pas comment je peux mute juste les notifs, mais. Ah, ça va. Notification, y a pas. Non, ça aurait été trop simple. Ou mets-toi en occupé, comme ça t'as plus le son des notifs, hein, au pire. Sur Discord. Mets-toi un, tu sais, avec la petite barre rouge là, en mode stop! Tu me dis quand c'est bon et puis après. On enchaîne. Eh bien, je ne sais pas. Non mais mets-toi juste en occupé. Ça, mais non, mais je suis pas connecté en fait. Donc il Non, t'es devrait en même pas me. invisible. T'es pas Oui, mais Discord en du fait coup quand t'es en il devrait invisible. même pas me dire ah là là. Ah non non non, quand t'es en invisible Discord c'est comme si t'étais en ligne. C'est juste que les autres te voient pas. Juste B quoi. Parce que C'est du pour coup ça moi si que tu j'ai te mis mets en tout ton occupé, Discord. bah t'es niqué parce que du coup t'es visible. Oui. Donc en fait pour désactiver les notifications, tu peux pas être invisible. J'ai désactivé normalement toutes les notifications. Ok. On va retirer le son des messages au cas où. Et puis voilà. Si le GatGat si présent qui nous sert de crash test peut envoyer un message, normalement ça devrait être bon. Ça peut. Par contre, du coup, je ne saurais pas quand il va m'envoyer un message. LOL. Bah, de toute façon, si jamais t'entends encore un boum, c'est que ça a merdé. Ça a marché, normalement. Il m'a envoyé un D'accord. message, on n'a rien entendu. D'accord, très Smooth. bien. Incroyable. Smooth. Donc aujourd'hui, on va voir. Alors, c'est pas vraiment une maquette, c'est vraiment plus C'est bah, un carrément une mock-up du maquette. coup.
Le but, en fait, c'est peut-être de réexpliquer avec des visuels un peu pétés du cul, faits en patchwork que j'ai fait en utilisant plusieurs sources que je vais d'ailleurs linker dans le chat. Voilà. Déjà, pour les figurines qu'on peut voir, les visuels des héros qu'on va voir là, c'est même pas des prévisuels, c'est rien du tout, c'est juste pour avoir une visuelle pas trop con. Petite définition de mock-up en passant, parce que Yes, voilà, génial. Donc, que j'ai trouvé à l'arrache. yes, Donc apparemment, je me suis pas Spiral gouré de termes, c'est bien ça. Vision. Part of that mission. Donc, pour les visuels des héros, j'ai utilisé ça, Hero Forge. Donc, ça permet en fait à la base de faire des petites figurines de Est-ce que jeu. t'es en train de... Ouais, t'es en train d'afficher des trucs, faut que je me mette plutôt sur ton truc à toi. Ouais, faut que tu balances. Et grâce à ça, en fait, si vous voulez, en gros, on a fait les petits visuels que vous pouvez voir, par exemple Drelander Darian, qui est en fait un paladin. Donc, on va expliquer tout ça, mais en gros, c'est un exemple typique de héros. On va voir plusieurs exemples de petits héros et tout ça. On va voir aussi un exemple de cartes, d'événements. On va partir du principe que le donjon est en ligne droite, juste pour cet exemple-là. Après, on fera beaucoup plus détaillé au fur et à mesure qu'on verra les petites choses et tout, l'avancement du projet, machin et tout. Là, c'est juste pour donner une petite idée, parce qu'à chaque fois, dans tous les lives, malgré le fait qu'on l'ait expliqué une première fois, c'est peut-être pas si déconnant en fait de faire des piqûres de rappel sur ce qu'on veut faire comme projet et comment ça va se dérouler. Donc, effectivement, la première chose qu'on peut me dire, c'est oui, bah attends, mais ça ressemble pas à une carte, ça, l'Hollander. Alors, manque de visuel. Il faut encore qu'on rephrase chaque chose et tout ça pour que ça rentre dans une carte ou pour que. Voilà, après c'est pas défini. Moi je pensais peut-être aussi que si jamais il y avait trop d'informations pour un héros par exemple, on pourrait essayer de partir en mode fiche et que la carte du héros serait seulement son visuel. Juste quand vous piochez une carte héros ou quoi que ce soit. Donc ça, ce sera à voir plus tard dans le développement. Et comment on peut se démerder pour afficher les choses. Sachant que aucun de nous, que ce soit Ulor ou moi, soyons comment dire, des. Mince, putain, j'ai plus le mot. Graphic designer. Voilà, exact. Parce que vu que c'est pas notre métier, qu'on a aucune formation dedans et qu'on est pas du tout versé dans la chose, ça fait que bon bah ça donne des visuels très moches. Comme ça. D'ailleurs, pour la petite histoire, vous allez voir, il y a des spells, enfin des spells, des events, et les cartes objets, j'ai dû utiliser un générateur de cartes magiques. Ça existe du coup les générateurs de cartes magiques? Ouais, bah attends, tiens, je te montre. D'ailleurs, j'allais le linker, mais voilà. C'est le deuxième lien que j'ai balancé. D'ailleurs, niveau son, c'est bon ou Bah, pas? Est-ce j'espère. qu'il y a des Si jamais on corrections peut à faire? avoir un petit retour. Je sais Normalement, pas ça si nous c'était dit pas tout de un suite peu si jamais c'est fort. pas. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ça va être un peu spécial d'ailleurs le programme. On va juste vite fait faire un petit aparté sur le programme avant de continuer cette explication pétée. Oui, la balance est bonne. Très bien, merci GatGat. Donc aujourd'hui, on va juste vous montrer ça. Un petit exemple de ce qui peut se passer, quelques pioches. On va pas aller jusqu'au fond du donjon, c'est juste pour vous montrer les deux trois trucs qu'il y a à faire. On va peut-être pas non plus vous montrer l'aspect guild et amélioration de guild, parce que c'est pas ça qu'on a préparé. On veut juste essayer de voir deux trois choses quand même là-dessus, avant. Donc, il y aura aussi une petite explication loristique, s'il y en a qui sont importés sur la chose, hein, ceux qui veulent savoir un peu plus sur le lore de l'univers et tout. Loristique. Et non pas Loristique. loristique. Lol, pardon. C'est tout pour Jean moi, bonne Blogain, soirée. humoriste. Incroyable. Et après, bah, on va continuer comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que Ulor va continuer à coder, moi je vais faire le GDD de mon côté, si on a. On va voir combien de temps on aura mis. Et puis voilà. On peut faire ça comme ça. Hein? Voilà, Ouais, c'est cool. on a tout dit, je pense qu'on a prévu à peu près tout ça. Exact. Donc, commençons. Alors, dans cette petite exemple-là, on va montrer 4 euros, d'accord? En gros, le programme, ça va être ça. C'est qu'on va partir du principe que vous avez vos 4 euros qui sont dans le donjon. Vous commencez à peine le donjon. Vous allez avancer de quelques cases parce qu'on va montrer 2-3 trucs seulement. On va montrer, du coup, on va pas aller jusqu'au fond du donjon, on va vraiment montrer 4-5 événements. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des combats, il y en a qui seront pas combats, il y aura d'autres qui seront un peu plus considérés de l'ordre du PVP parce que ce sera peut-être du sabotage.
C'est pour présenter cette partie-là. La partie, tout ce qui est guide, amélioration de guide et tout ça, on pourra faire ça une autre fois, parce que comme ça, du coup, ça peut diluer l'information et puis pas tout d'un coup, peut-être dans un seul stream, histoire que si jamais on revient en arrière, on puisse modifier les choses qu'il y a à modifier parce qu'on trouve pas ça cool ou quoi. Ou pas, ou tout simplement pas balèze, ou trop compliqué, ou pas assez intéressant pour être développé, donc on verra ça par la suite. Mais en tout cas, voilà, ça c'est ce qui est, c'est la première chose à dire. Donc, les informations qui sont sur les cartes. D'ailleurs, vous pouvez voir ici l'exemple du paladin. Donc, ici, vous avez ces points de dégâts. D'accord? Donc, par la petite épée, machin, c'est super simple, l'MDR, tout le monde a compris. Là, vous avez ces points de vie, qui sont représentés par le petit bouclier, là, donc là, il y a 20. Après coup, je l'ai trouvé overpowered, donc je vais peut-être lui baisser ses points de vie, mais on verra après. Là, vous avez du coup le nom du héros, parce que comme on avait dit mercredi dernier, que maintenant on passait. Avant, c'était juste paladin, paladine à la base. Maintenant, on va peut-être plutôt passer par des noms nommés. Par des noms nommés, n'importe quoi. Par des héros nommés. Donc là, par exemple, on a Dreland Eredarian, qui est en fait une référence historique. Il y a une petite référence historique, je laisserai à ceux qui sont portés sur la chose de faire leur petite recherche, comme ça sera marrant. Donc. On a sa classe, paladin, parce qu'il y aura certaines fois des choses qui vous diront oui, les paladins reçoivent machin, ou les mages reçoivent machin, et tout ça. Donc c'est pour ça. Donc du coup, vous avez sa classe directement. On n'est pas parti dans un délire de sous-classe, machin et tout. Non, non, il y a déjà juste sa classe. Donc c'est pour ça que c'est tout en tout petit, juste après son nom. Et après, on a les choses qui nous intéressent, c'est-à-dire les capacités de donjon. Donc c'est-à-dire numérotées à 1 à 2, là. Enfin, ils ne sont pas numérotés, mais c'est deux capacités de donjon. Et une capacité de guild, c'est-à-dire quand il se trouve sur le banc de touche, hein, qu'il n'est pas dans le donjon. Ça, ce sont les informations normalement que chaque héros doit avoir. C'est tout ce qu'il y a à savoir, en tout cas sur la carte des héros, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc c'est tout. Donc là, par exemple, on peut voir que là, c'est très simple ces spells en vrai. Parce que là, par exemple, vous avez bouclier vertueux. Dreland garde un allié ciblé et prendra ses dégâts. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous lancer une capacité de donjon. Mais vous pouvez pas attaquer derrière, vous faites juste, vous choisissez soit vous attaquez brut, soit vous faites seulement une capacité de donjon. C'est soit l'un soit l'autre, c'est pas les deux en même temps. Donc là, si vous faites ça, ça veut dire que vous attaquez pas. Par contre, vous protégez un autre de vos alliés, qui est de 1 à 4, d'accord? Donc parce que vous avez que 4 héros dans le donjon. Là par exemple, vous avez le coup de bouclier, donc ça, pareil. La cible ne peut jouer son tour prochain, ne peut être réutilisée sur la même cible au tour suivant. Donc c'est-à-dire qu'il faudra changer de cible et tout ça. Donc ça, ce sont ses capacités de donjon, ses capacités d'attaque. La capacité de guild, c'est vraiment que quand il est dans la guild, comme on a dit tout à l'heure. Donc par exemple, si Dreland part de la guild, de Hal-Guild, bravo Northlam, pour rejoindre le donjon, il gagne provisoirement 5 PV de plus que son maximum. Ce bonus prend fin quand les 5 PV sont enlevés. Donc en gros, si jamais il part de la guild, qu'il n'était pas dans le donjon, du coup, ce 20-là se transforme en 25. Mais une fois que ça redevient un 20, il ne peut pas regagner les 5 points de vie supplémentaires. Là, c'était vraiment le petit bonus de départ, quoi. C'est sa capacité de guild. Donc, on voit bien qu'en gros, ce héros-là a été pensé pour être un héros de donjon. C'est-à-dire que sa place est dans le donjon et pas vraiment dans la guild. Dans la guild, il vous sert pratiquement à rien, à part si jamais vous voulez le buffer avant qu'il y ait. Donc, ça, c'est une chose. Ça, c'est un exemple de héros typé donjon. On peut voir d'autres choses, là, comme Erin Soulouche, qui, elle, par contre, a été pensée plus pour être un héros de guilde. D'ailleurs, on va voir une autre chose, c'est que là, par exemple, ses capacités de donjon sont numérotées, là. En fait, c'est le nombre d'utilisations qu'elle peut faire en combat. Donc là, Orbe de Gaz, la prochaine attaque qui vise ce héros au prochain tour ne réussit pas. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez, elle est un peu plus faible, hein, en termes de statistiques, parce qu'elle a que 2 de dégâts, 10 de points de vie. Donc du coup, elle peut utiliser ça que 3 fois. Donc, faut pas que le combat s'éternise, sinon l'orbe de gaz, elle n'y est plus. Et là, après, elle a la potion personnelle, en gros, qui lui fait regagner 3 points de vie. Elle peut l'utiliser qu'une seule fois par combat. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est ce perso, qui est une halfling, d'ailleurs, parce qu'il y a des races là-dedans, on verra ça plus tard. C'est les capacités de guild, c'est grand marchand de l'Est. Quand vous vendez, vous gagnez une pièce d'or en plus provenant de la banque. C'est-à-dire que si jamais vous réussissez à vendre à un joueur ou par quelque autre manière un objet, imaginons il vaut 2 PO, 2 pièces d'or, bah en gros vous en gagnez une en plus grâce à sa capacité de guild si elle est en guild. Donc pas dans le donjon. Donc c'est typiquement un héros vraiment bah, de farm hein, pour le coup. Et c'est ça qui est important. Donc dans cet exemple de donjon,
On aura du coup le paladin qu'on a vu tout à l'heure. Donc Drelander d'Ariane. Il sort quand le jeu? Sirlois, ça suffit, même en MP tu me poses la question. Sinon, Tu bonjour, suffis, Sir hein. Loire. Je Tu vais dis pas faire comme bonjour, l'Ariane si tu veux. pas bonjour, pas merci, il sort quand le jeu? Non, mais dis donc, la Dis donc. politesse. Donc là, ici, nous avons Argache, le fracasseur. Alors ça, c'est un Loki. Ça va, Sirlois? Déjà, on a des visuels, c'est incroyable. Ouais. Sur Aeroforge. D'ailleurs, les liens sont encore en haut pour ceux qui peuvent remonter, sinon je les rebalancerai un moment. Donc là, par exemple, on a un guerrier. D'accord? C'est un Loki. Le Loki, juste pour la partie lore, c'est en fait, ce sont des créatures qui ont été créées magiquement. Donc c'est pour ça que c'est l'un des rares qui n'ont pas de dieu à proprement parler. Leur partie vraiment religieuse, c'est plus du chamanisme, la nature. Donc il y a quelques druides, il y a quelques trucs comme ça, oui, parce qu'il y aura des druides et tout. Donc c'est la seule espèce qui est comme ça, hein, qui n'a pas été créée directement par les dieux ou par différents dieux ou quoi. Et du coup, ils ont la peau bleue, ils sont musculairement un peu plus gros que les humains quand même, mais un poil plus petit qu'un humain moyen, on va dire. Mais par contre, c'est que des boules de muscles, hein, clairement. Donc là, par exemple, là, on a l'exemple de Argesh, qui, lui, par exemple, est typiquement un héros de donjon. Hein. Ça se voit tout de suite. Par exemple, Argesh, la charge fracassante, il attaque deux fois la cible au début du combat. Donc C'est c'est-à-dire que trop dès le début vite. du combat, il inflige 10 points de vie, hein, quand même. Pas mal. L'insulte fournie au prochain tour, la cible est obligée d'attaquer Argesh. D'accord? Et là, vous avez la capacité de guilde que moi j'ai trouvé ça très drôle, parce que y a toujours ce petit running gag dans les aventures de JDR, quand t'as un barbare ou t'as un truc comme ça, c'est toujours la bagarre de taverne. Ça, c'est le truc qui revient à chaque fois. Donc Argage C'est le inflige un point début de dégâts de... parmi les héros dans votre guilde. S'il n'y a pas de héros attaqué, il s'inflige un point de dégâts un tour sur deux. Donc le mec est casse-couille en guilde, donc il faut que tu le mettes dans le donjon, sinon il te quête les burnes, clairement. Et moi j'aimais bien ce petit côté un peu auto-sabotage de la chose. Donc, ça c'est Du pour coup, le tu peux guerrier. pas le heal à la guilde en fait, celui-là. Bah oui. Du coup, tu peux pas C'est le pour heal à ça. part avec des potions, quoi. Ouais, non, mais il est casse-burnes. Il est casse-burnes. Je l'avais pensé comme ça, parce que je voulais aussi qu'il y ait des héros un peu. Qui te foutent un peu. Qui font un peu chier, quoi. Donc après, on a quoi? Ah merde. On a J'ai perdu le fait stream, sauter le t'as encore truc. fermé la fenêtre. Non, j'ai fait sauter le truc, c'est pas pareil. Fait sauter le truc. Bah, c'est pas mieux, hein. Voilà. Est-ce que c'est bon? Là, tu me. Attends. Tac. 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 Voilà. Ça revient. C'est bon? Ok, Incroyable. nice. Et là, on a une de mes préférées, on va dire, dans le lore. C'est Marguerite la Sainte. Alors, Marguerite est une humaine, hein. Donc, c'est une soigneuse, c'est plus une prêtresse de lumière. Donc, d'ailleurs, visuel très lambda, mais moi, je sais pas, moi, j'aime bien la gueule qu'elle a, elle me fait marrer. Et pour ceux qui veulent une partie de lore, Marguerite, allez chercher qu'est-ce que la Sainte Marguerite. Dans la religion chrétienne, et vous verrez du coup que c'est une sainte patronne des orphelins, et c'est souvent d'ailleurs représenté dans les orphelinats. Donc voilà, c'est pour ça, c'est une petite référence à la con. Donc elle a un miracle des plaies, vous soignez la cible de 6 points de vie, et après vous avez générosité céleste, vous soignez le groupe entier de 2 points de vie. Donc ceux qui ont joué à Darkest Donjon ont vu que j'ai honteusement piqué l'idée de la Vestale mono-cible pour le heal est plus gros que le multi-cible. Et d'ailleurs, si on additionne, hein, ça fait pire les 6 points de vie. La capacité de guild, par contre, est sympa. C'est la Sainte Dévouée. Tous les soins de guild sont améliorés de 1 point. Voilà. Donc, ce sera la soigneuse de notre groupe dans l'exemple qu'on va voir juste après. Clairement, il y aura un skin ou alors les cheveux bleus Gat-Gat. Non. C'est obligé. Après, nous avons le Pendragon, donc c'est-à-dire un homme dragon, typiquement Squamatus le Vert. Alors, pourquoi Squamatus? Déjà, ça veut dire squamat en latin, ça veut dire écaille. Et pourquoi Squamatus et pourquoi j'ai utilisé un mot latin? C'est parce qu'en fait, les Pendragons viennent d'une ancienne civilisation qui antique, donc bien avant que les événements du jeu se passent, quoi.
C'était du coup, ils priaient les dragons. Alors à un moment donné, ils ont. Les textes sont pas très clairs, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que les dragons sont descendus. Pour s'amuser un peu, en gros, ils ont partagé leur sang, sauf que, bah, en gros, il s'est passé une espèce de mutation où les gens se sont transformés en espèce d'hommes-dragons qui ne pouvaient pas voler, hein, donc il n'y a pas d'histoire de elfes ou quoi que ce soit. Et sachant que leur couleur d'écaille correspondent en fait à leur ancêtre dragonique, donc en gros l'espèce de dragon qui a donné son sang. Ce qui s'est passé, c'est qu'après cette civilisation a complètement disparu parce que bah en fait il y a un afflux comment dire de pas de colère mais de merde aide-moi Hulor. Un afflux de quand on est belligérant c'est quand on veut se foutre sur la gueule avec tout le monde d'hostilité peut-être. Je sais pas. Ouais. Donc en gros ils se sont foutus sur la figure et en gros ça a donné que bah, cette civilisation a disparu. Par contre il y a toujours leurs descendants qui parcourent le monde. Et oui j'ai voulu casser un peu les codes, j'ai fait du coup un Pendragon rôdeur. Donc normalement ce machin là il est dans la forêt. Donc Squamatus, il a pistage après un combat, vous voyez la carte événement de la tuile adjacente. C'est-à-dire que cette capacité de donjon, typiquement, c'est une capacité qui va être utilisée après un combat. Quand vous n'avez pas combattu, elle ne s'active pas, mais quand vous avez combattu, c'est bien sympa d'avoir ça, parce que du coup, vous pouvez peut-être prendre une décision sur le chemin que vous allez prendre. Tout simplement. Là, après, nous avons le chasseur né. Désignez une cible au début du combat. Squamatus infligera toujours le double de ses dégâts contre elle. D'accord? Capacité de guilde, repos. Squamatus, je veux un imbarde. Problème. Squamatus regagne un point de vie tous les 2 tours. Alors, ça, c'est la capacité de repos. Je pense que ça va être un peu mon tricky trick. C'est-à-dire que je pense que la capacité de repos reviendra souvent dans certains héros. Il y aura certains héros où bah, ils apportent rien à la guilde, juste bah, ils se reposent, quoi. Donc du coup, ils regagnent des points de vie tout seuls, vite fait. Sachant que si vous avez Marguerite la Sainte juste avant, cette capacité-là, elle est augmentée. Donc ça fait 2 points de vie. C'est pas mal. Quelque part. Donc voilà. Donc ça va être le groupe qu'on va utiliser pour le donjon, enfin pour la petite maquette, la petite intro qu'on a. Donc si déjà est-ce qu'il y a des questions? À part si je veux un imbarde, ce serait pas mal. Vraiment. Autre chose que je veux un imbarde. S'il y en a pas, on va avancer très. On n'est pas pressé après. Oui. Je pense qu'il n'y en a pas. Donc, on va aller plus vite comme ça. Du coup, donc dans un premier temps, là, on va reprendre cet exemple de, c'est une ligne droite, hein, d'accord, pour cet exemple-là, on va pas aller jusqu'au fond du donjon. Donc, imaginons, vous arrivez sur votre première tuile. Putain, j'allais dire truile, Truille. alors qu'en fait c'est tuile. Sur votre Donc, vous arrivez première sur truille. Vous arrivez sur votre première tuile. Alors la première tuile, vous allez piocher du coup une carte événement. Et sur cette carte événement, vous allez tomber sur cela. Équipement abandonné. Oui, je sais, pour ceux qui viennent juste d'arriver, j'ai juste utilisé le générateur de cartes magiques que j'ai linké plus haut. D'ailleurs, Je peux l'artwork, parce que relinker s'il faut. Pardon? Que je peux relinker s'il faut. Je le Bah, tu relink de manière régulière. Et l'artwork a été fait par cette personne-là qui se fait connaître comme Fury On sur ArtStation, qui a réalisé du coup ce fan art de l'Antiquaire dans Darkest Dungeon. Et voilà. Donc c'était juste pour pas faire le sac, je donne toujours des précisions. Donc voilà. Donc vous piochez du coup votre première carte événement sur la première tuile où vous arrivez, et c'est piocher une carte équipement aléatoire. Donc. Dans ce cas-là, vous allez piocher une carte qui est l'épée de débutant. Donc c'est plus 1 au point de dégâts. Là, vous avez du coup l'information ici combien elle vaut si vous la revendez. Donc une pièce d'or. Tout simplement. D'accord. Donc quand vous avez cette carte-là, vous pouvez toujours décider de soit l'équiper instantanément à un de vos héros, parce que vous êtes hors combat, ou. Juste la garder dans votre main parce que vous n'êtes pas encore décidé. Voilà quoi, c'est pas. On s'en fout, pas maintenant quoi. Ok? Donc après, vous avancez sur votre deuxième tuile. Après tout ça, hein, après que l'autre joueur ait joué, bien évidemment. Et vous tombez là-dessus. Une attaque de gobelins. Un groupe de gobelins vous attaque.
Donc du coup, vous avez toutes les stats des gobelins là qui s'affichent. Sauf que quand la carte event a été piochée, c'est fini. Vous entrez en combat, c'est-à-dire que les autres actions, vous pourrez les faire juste après le combat, s'il le faut. D'accord? Donc là, on rentre en combat. Voilà. Donc premier visuel vite fait. Donc comme on avait pensé la chose, c'est que vous avez vos combattants ici. D'ailleurs, tiens, je l'ai pas présenté elle. On va revoir vite fait. Voilà. Donc vous avez Catherine de Milésis. Donc c'est une femme féline. Donc les femmes félins, les hommes félins, parce que c'est toute une race qui est comme ça. Leur histoire en fait, c'est les elfes. Avant, c'était des êtres comme des messagers des dieux, comme des petites mains des dieux en fait pour façonner la terre où se passent ces événements. Le problème, c'est que au bout d'un moment donné, ces elfes sont devenus des êtres faits de chair et de sang, alors qu'avant ils étaient faits de plus de pure énergie, de choses comme ça. Et donc du coup, ils sont devenus comme nous, mortels. Malheureusement, eux, ça leur plaît pas. Donc, au lieu de RT si t'es triste, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à faire des expériences en magie pour pouvoir regagner leur statut de messager des dieux, donc c'est-à-dire divin, éther et tout ça. Donc, l'un de leurs premiers essais où ça a commencé en fait à former quelque chose de très significatif pour cet univers-là, c'était de faire des expériences sur les chats et les félins, en règle générale. Donc c'est pour ça que d'ailleurs chez les hommes et les femmes félins, vous avez toutes les espèces félines, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez aller go nuts, hein. Donc là, par exemple, vous avez une invocatrice. Donc Milésis, Catherine, parce que. Hein. Donc je voulais chercher La référence. les références, parce Pas qu'il y en a tellement toujours. voyée. D'accord quoi? Pas tellement voilée. Pas tellement, ouais. Mais Milésis, parce qu'en fait, c'est aussi le nom qu'on donne pour les hommes félins. Parce que Milésis, en fait, c'est la divinité des animaux et que les hommes félins et femmes félins ont pris comme étant leur dieu principal. Donc, du coup, voilà, quand tu t'appelles de Milésis et que tu es un homme félin, cas ou une femme félin, bah, du coup, en gros, tu es orphelin. C'est lol. Donc, voilà. Merci, Gadgad, pour cette vanne. Excellent. C'est excellent. C'est Alors, une bonne façon de s'en rappeler. là, ça, j'ai fait ça pour notre petit U, hein, la vocation de renard spirituel, d'ailleurs, qu'on peut voir là. C'est pour toi, hein, que je l'ai Ouais, fait. je me doutais un peu. D'accord, mais dis-le, hein, si ça t'emmerde quand j'essaie de te faire plaisir. Non, mais c'est Donc, tellement envie que. salut Ninja, si le groupe de donjon contient moins de Salut! 4 héros, vous invoquez un renard, 2 de dégâts, 8 points de vie. Si le renard est en trop, il disparaît. C'est-à-dire que si un quatrième héros vous rejoint, bah du coup le renard se casse parce qu'il n'a plus de place pour lui. Après, vous avez son autre invocation, le faucon. Vous attaquez tous les ennemis et infligez 2 points de dégâts. D'accord? Et la capacité de guilde, c'est cheval de voyage invoqué. Si un héros part depuis la guilde pour rejoindre le groupe en donjon, il se déplace 2 fois plus vite pour rejoindre le groupe. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, votre groupe est à 4 cases, normalement, un héros qui partirait de la guilde, il mettrait 2 cases. Enfin, 2 tours pour les rejoindre. Si jamais il reste encore sur les 4 cases, hein, bien, parce qu'en gros, en gros, il parcourt 2 cases par tour. En fait, le héros qui rejoint les gars. Et il n'active pas les cartes événements. Hein. Donc, avec le cheval, par exemple, il n'en mettrait qu'un. Voilà, c'est juste pour la petite histoire. Donc ça, c'était pour Catherine de Milésis. Donc, le combat commence. Là, il faut savoir que on va répéter quand même là-dessus, c'est que le héros que vous mettez en position 1 sera le premier à jouer. Deuxième, troisième, quatrième. D'accord? S'il n'y a pas de précision, les monstres commencent toujours après les héros. D'accord? Hop. Voilà, merci petit enfoiré qui vient spammer les streams. Donc, là, dans ce cas-là, vous avez cette présentation toute nulle, toute patchwork, d'ailleurs, fond d'écran de Darkest Donjon. On peut rebalancer les liens des Reforges aussi, quand même. Ça peut être sympa pour les visuels. D'ailleurs, j'aurai un petit truc à dire après sur les Reforges. Donc. Là, vous avez sur la carte d'avant, on avait vu en fait à peu près le nom et les stats des différents gobelins, d'accord?
Donc là, pour le coup, on est contre des monstres qui n'ont aucune capacité, parce que vous pourrez aussi tomber sur des monstres qui ont des capacités. D'ailleurs, j'ai un exemple pour vous après, on pourra montrer. Donc voilà, là, ça, c'est simple, clair, net et précis. Quand vous avez cet écran-là, avec votre souris, vous pouvez cliquer sur un héros et vous aurez toute sa fiche qu'on a vue tout à l'heure, avec ses capacités de donjon, ses statistiques et tout ça. Donc c'est comme ça que ça se présente. Quand vous allez attaquer, la personne qui va jouer, normalement, on va le mettre en plus gros avec ses stats et tout ça. Là, on a mis des petites différences parce qu'on va pouvoir vous expliquer après comment visuellement on pense. Enfin, je pensais peut-être le mettre en avant. Encore une fois, on n'est pas versé dans le design ou quoi. Donc, c'est juste pour faire un petit visuel à la con. Là, par exemple, on voit qu'il a 17 au lieu de 20. Ça veut dire qu'en gros, il a perdu 3 points de vie. Donc, du coup, on signifie par la petite couleur rouge qu'en gros, bah, il a perdu. Des points de vie, du coup il n'est pas à son maximum. Et d'ailleurs, toujours pareil, si vous allez avec votre souris cliquer sur n'importe quel monstre ou héros, vous pourrez avoir sa fiche avec ses capacités en plus et tout ça. Là, c'est juste le résumé de ses statistiques. À partir de ce moment-là, quand c'est à lui de jouer, vous pouvez soit décider de prendre une de ses capacités qu'on a vues tout à l'heure, ou directement attaquer avec ses stats de combat là pure, hein, qui est 4 par exemple. Là, dans ces autres exemples-là, on voit que le rôdeur, là, le Pendragon rôdeur, a 7. Pourquoi 7? Vous vous souvenez qu'on avait pioché la carte épée de débutant? Eh ben, on l'a équipé directement à lui. D'accord? Normalement, vous le faites avant le combat. Vous ne vous équipez pas pendant le combat. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il a 7. Comme ça, du coup, on voit tout de suite que le gars, bah, il a un bonus quelque part qui s'est affiché. Donc, ça peut être soit une capacité d'un autre héros qui l'a boosté ou quoi que ce soit. D'accord? Mais là, dans ce cas-là, c'est l'épée de débutant qu'on a pioché juste avant. Normalement, dans l'idée, quand vous allez passer votre attaque, par exemple, vous verrez combien de dégâts vous allez faire à la créature ou au héros d'en face. Hein. Donc, là, pour le coup, ça va être 4. Mais comme on avait vu pour Squamatus qui a peut-être désigné une cible. Il pourra faire un double de dégâts, donc c'est-à-dire au lieu de faire 7, il fera 14. Bon, là pour le coup, il one-shot n'importe quel gobelin. En gros, voilà, c'est ça. Pendant votre tour de jeu, soit vous attaquez, soit vous utilisez une capacité, soit vous utilisez une potion. D'accord? Potion de soin, une potion de buff, quelque chose en fait qui est dans vos équipements en fait. Du moment que c'est pas un équipement à attacher, c'est-à-dire un bouclier ou quoi, du moment que c'est, il faut pas qu'il s'équipe de quelque chose, vous pouvez quand même utiliser des cartes. Donc ça, c'était l'exemple de combat. D'accord? Imaginons, tout se passe bien, vous avez gagné. En regardant les stats des monstres en face et ceux du groupe de héros qu'on a choisi, normalement, tout va bien se passer, vous avez gagné, hein, il n'y a pas de problème. Donc, et là, vous tombez sur l'autre carte, la bourse trouée. Donc si la tuile a été visitée par une autre guilde, vous lui volez 2 pièces d'or. D'accord? Donc c'est-à-dire que là on est typiquement, vous avez avancé sur la tuile, vous piochez une carte événement, hop, carte événement, si ça a été visité par un autre guild, donc c'est-à-dire un autre joueur, vous volez directement 2 pièces d'or de sa bourse. Parce que dans l'or en gros, bah, ils sont barrés, et ils n'ont pas vu que leur bourse était trouvée. Voilà, tout simplement, il n'y a plus rien à expliquer, merci Zizi, au revoir. Maintenant, imaginons que c'est à de nouveau votre tour et vous avancez. Là, vous allez piocher une autre carte event et c'est un combat, un géant réanimé. Ok? Donc là, par exemple, ce géant-là aura une capacité par rapport aux autres gobelins. C'est-à-dire que le géant réanimé inflige toujours un point de dégâts aux autres membres du groupe du donjon à chaque attaque. Donc c'est-à-dire qu'il va attaquer un héros et lui infliger 8 points de vie, mais les autres héros vont recevoir quand même un point de dégâts en plus. Enfin, ils vont recevoir un point de dégâts, pas en plus parce qu'il n'y avait rien, mais voilà. Donc ça, c'est dans l'idée d'une rencontre. Et comme ça, on a peut-être aussi fini du coup cette petite maquette à la con. Mais voilà. Donc est-ce que pour l'instant il y a des questions ou il y a quelque chose? N'hésitez pas. Ça peut être sympa. Cool. Ouais bon, hein. N'hésitez absolument pas. C'est limpide, ok. D'ailleurs, bon, vu que je voulais faire plaisir à Sirlois tout à l'heure. Donc. Hop. Pardon. Pardon, 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 pardon. Voilà. Tiens, Sirlois, pour toi. Un Halfling voleur. Ça, c'est pour toi, Sirlois.
Donc, voilà ce que je peux vous proposer pour la chose. Donc, c'est-à-dire que là, on a pu voir, on va dire, les différents types de héros. On a pu voir du coup comment se passait un combat. On a pu voir aussi comment que ça se passe quand on pioche une carte événement. Poule, machin. Et bah voilà, en fait, on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait vous montrer là-dessus. Paf, c'est ça. Donc, oui. Donc, on va peut-être aussi faire un petit tour sur. Alors là, par exemple, moi, ce que je peux vous proposer, si vous voulez vous amuser, vous pouvez toujours faire des héros dans Hero Forge, ok? Et on va peut-être, on peut aussi peut-être essayer d'imaginer comment on peut lui mettre des équipements et tout ça. En fait, nous, on va se charger peut-être plus si jamais ça, le design nous plaît ou quoi, l'idée du personnage nous plaît. On peut lui faire une espèce de kit de spell en termes de donjon et en termes de guild. Et vous derrière, vous avez juste à imaginer la personne en question si ça vous fait plaisir ou quoi. Donc, on met les reforges là tout de suite. Donc, par exemple, voilà, lui donner un petit lore, un petit truc comme ça. Et vous pouvez vous marrer avec ça. Hein. Il n'y a pas de souci. Ça peut même nous donner des idées, hein. Mine de rien. Du coup, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Ulor? Non, pas vraiment, non. Non, non, pas vraiment. En tout cas, voilà. Donc, comme ça, on a pu voir à peu près à quoi ressemblaient un peu les différents héros. Si vous voulez, on peut refaire un petit rapide tour de table. Tac, tac. Oh. Hop. Donc, oui, encore une fois, on n'est pas rien fait pour ce qui est de chargé en visuel ou quoi. La maquette, elle est dégueulasse. C'est plus un patchwork que de tout, comme on a montré. J'ai fait ça en 3-3. Je suis désolé. C'est pas le résultat final. C'est juste un exemple de ce qu'on voulait impliquer pour un héros. Donc, c'est-à-dire son nom, sa classe, parce qu'il y aura certaines fois des classes qui vont bénéficier d'un truc ou quoi. D'ailleurs, tiens, j'ai un exemple tout particulier hein, d'un Wakasi, Ekmet la Flamme, la mage, le mage. En gros, il a une capacité de guild, c'est tous les mages de la guild gagnent un bonus de 1 de dégâts à leur capacité. Voilà. Donc, c'est-à-dire que bah, tous ceux qui ont la profession de mage bénéficient de cette capacité de guild. Donc, il y a ça aussi qui est très important. Pourtant, il fait mal, hein. Donc c'est vraiment un héros plutôt multi-tool dans l'idée. Eritsu, Lucian, Laflin. Que voilà. Marguerite Assassin. Je sais pas pourquoi je l'aime bien ce personnage. Je sais pas. Lui-même, je l'aime bien. Est-ce que c'est une Vestale? Ouais, peut-être. Moi, j'aime bien tout ce qui est Oli en vrai. C'est même pas dissimulé. Même pas dissimulé, mais quel infernal! Donc, voilà. Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à la partie coding, ou à la rigueur, on peut parler d'autre chose, c'est comme tu veux, là. Petit Qu'est-ce que tu teasing, sens? je sais pas. Parce qu'on avait dit pas mal de trucs sur la dernière stream de mercredi, mais pas grand monde. Ouais. C'est vrai. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à ça? Juste rappeler ce qu'on a dit, hein, parce qu'on a parlé pas mal de trucs. Oui, c'est vrai. Mais il y avait personne. Il n'y avait personne. Puis Donc, du coup. c'était pas un stream de design non plus, normalement. Donc. Oui, c'est stream de design non plus. Mais, comment dire? Donc, oui, donc pour ceux qui viennent juste d'arriver, on a du coup notre chaîne YouTube qui du coup remet les VOD des lives parce que bon vu qu'on n'est pas affilié ou je sais pas initié, je sais plus c'est quoi les termes Twitch parce que ça m'emmerde. Mais en gros on peut pas garder les vidéos indéfiniment sur notre chaîne et en plus de ça bah, du coup sur YouTube on peut redact nos petites coquilles c'est-à-dire soit en dévoilant des noms ou des trucs qu'il ne fallait pas dire. Hein. On avait parlé de l'échoppe pendant 30 minutes. Ah non, hein, ça va pas recommencer. Oui, en effet. Bah, C'est l'échoppe, vrai on que l'a ça avait fait statué, un hein. gros débat. Hein.
Oui, ça mais on fait a trop statué. débat. On a statué. C'est une feature de base. On a statué comme quoi c'était une feature de base. Mais ça, parce que là, aujourd'hui, on n'a pas montré aussi la maquette de la guilde. C'est aussi pour ça. On n'a pas montré des exemples de guilde. Là, pour l'instant, on a vraiment montré... en gros, les exemples qu'on a montrés vraiment... Une équipe qui se déplace, quoi. C'est une équipe qui se déplace. Est-ce que vous pouvez rencontrer? D'accord? C'est tout ce qu'on avait à montrer aujourd'hui, parce que c'est juste ça. C'est juste ça qui était plus dans le visu... Enfin, dans le viseur, aujourd'hui. Et c'était aussi pour montrer que, en gros, voilà, à quoi ça pouvait ressembler Vitzef, un héros typique ou une carte event ou qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié de mettre sur les cartes de combat, c'est le loot. Qu'est-ce qui se passe quand vous gagnez un combat? Parce que, fatalement, vous allez avoir peut-être pas mal de combats, mais si vous gagnez rien, putain, la chienlit, quoi. Les pièces d'or vont vite retomber à zéro. Ça risque d'être pas très drôle. Donc bon, ça sera différent là-dessus. D'ailleurs, Ulor m'a fait remarquer que vu qu'il y a deux decks, c'est-à-dire il y a un deck monstre et un deck event, les decks event peuvent très bien peut-être piocher du genre piocher une carte monstre ou deux trois cartes monstres, enfin bref, piocher un affrontement quoi, le nombre de monstres qui est symbolisé sur la carte, comme il y aura des cartes de loot comme on a pu voir qui seront contextuelles. Et du coup voilà. C'est ça. D'ailleurs, le mini-boss qu'on a vu tout à l'heure, qui était le géant, là, c'est un mini-boss, parce que, bon, défense 30, attaque 8, et il fait des dégâts en tueur, voilà. C'est typiquement une carte monstre que vous pouvez piocher, si jamais vous piochez une carte combat dans les événements. C'est aussi ça qui est sympa. Donc ça, c'est rare, hein. Il n'y en aura pas 400 dans le paquet de monstres, hein. C'est vous tombez dessus une fois normalement. C'est un mini-boss. C'est... Franchement, il peut faire très mal hein, parce qu'à coup de 8 points de vie sur une cible, il y a des héros, ils survivent pas à deux attaques. Hein. Ils survivent qu'à une attaque, peut-être, encore, ils ont peut-être un point de vie de rester, mais il y en a, ça va être l'enfer. Donc voilà. Voilà ce qu'on avait à montrer là-dessus. D'ailleurs, le lore. Sera toujours pareil, hein. C'est pour ça que vous verrez pas de certaines espèces. Oui, parce que d'ailleurs, du coup, j'ai fait un petit peu dans le non caricatural vraiment, parce que par exemple, généralement, les joueurs quand ils jouaient au JDR, ils jouaient pas un Pendragon Rodeur. Hein. Moi, ce que j'avais généralement, moi, c'était un homme félin Rodeur, très souvent, mais vraiment très très souvent. Et aussi parce que je voulais montrer les autres races qui avaient été possibles, donc c'est-à-dire que les demi-elfes, les humains, les nains, les alflines. Les Pendragon, les hommes félins et tout ça quoi. Et pour le GDD, vous avez trouvé une solution. On est en train de regarder. En tout cas, déjà hier soir, il y a eu une petite frayeur, mais moi je pensais à un moment donné que tu avais trouvé un site pour le partage qui n'était pas Google, Ulor. Et en fait, non, c'était juste pour la vidéo. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, non, mais complètement à côté de la plaque. Ouais, moi j'ai eu un roller coaster de merde là dessus en mode genre oh, t'as trouvé super. Non mais c'est juste pour la vidéo. Ah oh. Oh. J'ai bien assez de taf à relire les vidéos, les retravailler et tout ça. Donc... J'ai quand même prêt. Va falloir créer votre propre site. Oula attention. C'est mort. Après il y a des sites template de merde. Hein. J'ai des trucs. Ah oui, il y a aussi les Loki et les Amashi, mais bon ça. On s'en fout de toute façon. Donc voilà. Bon, bah, ça que c'est fait, s'il n'y a pas de questions, on peut peut-être passer à l'autre partie de ce stream qui est bah, du coup la conception. Là. On va se mettre les mains dans le cambouis. Qu'en penses-tu? Bah, ouais, je sais pas ce que tu veux faire. Moi. Bah, c'est ça. Bah, moi, je vais continuer GDD et. Toi, tu codes. Okay. Oh, bah, je code depuis tout à l'heure. Hein, donc... D'accord, bah, vas-y, bah, rebalance peut-être en visuel. Ton code, je sais pas en... qui veut voir quoi. Si le chat veut voir le code, s'il veut voir le GDD. Bah, fais ça dans un autre temps, tu sais. Double screen. Oui, bah, il y a un double screen. Donc, vas-y, passe-toi en avant et puis moi, derrière, je montre. On échange de place. Hop. Tu devrais partager un écran plutôt qu'une fenêtre. Ça éviterait de niquer le stream à chaque fois que tu fermes une fenêtre, je pense.
Tu vois ce que je veux dire, North? Non, j'ai pas trop suivi. Pourquoi il n'aime pas l'afficher? Attends. Ça ne serait jamais arrivé si c'était un partage d'écran. Ouais, hein. Voilà. Double screen, j'avais pas vu, Tac. sorry. Bah ouais, ça fait je sais pas combien de temps que tu le demandes, il est enfin là et t'en as rien à faire, bravo. Mais qui? Super, c'est ninja. Je vais attendre parce que du coup, vu que je Ça n'ai fait pas deux chier à écrans, il faut que je implémenter des note. features incroyables et tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, Incroyable. super. On s'améliore et personne n'est là pour. Ok, je trouve ça. D'accord. Qu'est-ce que j'étais en train de faire, moi? J'étais Hop. en train de nettoyer le bordel que j'avais mis. Donc. Hop, 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 hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. C'est même du terme loristique, hein, on s'en fout. Combien il y aura de classes, combien il y aura de races, lol. C'était une question intéressante. Ouais. Alors. Tic-tac, ça se tue là. Parce que comme ça, du coup, je peux continuer. Par la suite, les joueurs sélectionnés leur héros principal. Salut. Hein. Pense à Castor. Pose alors là. À son tour, envoyer un héros du groupe à un autre. Changer la plate. Acheter une carte héros ou équipement. Carte améliorée. Je suis sur tel, c'est tout petit, c'est pour ça. Ah bah voilà, bah d'accord, ok. Bah ok. Ouais, mais là, vu que c'est pas un stream de gameplay, malheureusement, les téléphones. Faudra peut-être que je zoome. Du coup, Ouais, ça histoire va que ce soit niquer lisible. tout mon interface, forcément. En mode. Voilà. Là, ça doit être un peu plus lisible. Je peux plus travailler, mais au moins c'est lisible. Qui s'est passé pour entrer dans un combat, les combats sociaux. Voilà. Mais t'inquiète, de toute façon, je sais pas lire votre langage extraterrestre là. Ah ouais, d'accord, super. Bravo, madame. Quel langage extraterrestre? C'est quoi ce manque de respect? On est là pour apprendre. Donc, hop, on en était où? Si un héros meurt sans pouvoir, dans tous les cas, si le burn actif du joueur est vaincu dans cette unité. Tour de combat, ta ta ta. Hop, passive. Oui, d'ailleurs, on rappelle que les monstres sont contrôlés par le joueur adverse. Hein. Quand vous tombez sur un combat contre des monstres. Si c'est un monstre, il est alors manipulé par un autre joueur. Prochain à jouer après le combat. Il peut alors soit attaquer avec ses points d'attaque ou utiliser Du coup, passive. en vrai, ça veut dire qu'il faut se poser la question de. Bah ouais, mais. Qu'est-ce qu'on fait Ouais, mais. si on a un seul joueur? Bon, on peut mettre des patterns comme on a dit au Ouais, c'est ça, et du coup, faut le monstre. préciser. Si on veut du mono. Enfin, du joueur. Du solo. Je savais plus comment on disait. Si on veut du solo, il faut qu'il y ait une règle qui dise, bah en solo, il se passe ça. Yes. Bah, en vrai, on peut. Alors, soit on fait évidemment pute, c'est-à-dire qu'en gros, on fait que les mobs attaquent toujours ce qui n'est pas tank. Donc, peut-être plus les prêtres, voilà, les DPS, enfin les classes en priorité. On peut leur donner des priorités par classe. S'équilibre après, enfin ça peut être genre j'attaque d'abord ce qui est pas tank et après quand je vois que j'ai un peu trop dégommé le prêtre je vais attaquer le tank ou des trucs comme ça. Parce que s'ils font que attaquer ce qui n'est pas le tank, les mecs ils vont tomber comme des mouches. Ouais, non, c'est pour ça. On va voir. Salut Jude et Gadgad demande un petit rappel de là où on est Salut dans le Jude. code, peut-être. On est où dans le code? On est perdu. Non, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc un deck qui était chargé avec un ensemble de cartes, du coup, qui était chargé en conséquence.
Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de nettoyer tout le bazar qu'on avait mis, parce qu'il y a pas mal de trucs qui étaient mis comment dire, en substitut d'une solution plus intéressante du côté de la lib, ce qui est le cas maintenant, et du coup, on est en train de nettoyer tout ce qu'on avait pu mettre qui n'était pas forcément intéressant et qui est maintenant supporté dans la lib directement. Et du coup voilà, pour le moment on va essayer de faire ça, ça devrait pas prendre trop de temps, ça devrait même être bientôt terminé, parce que là pendant la présentation mockup j'ai pu mettre à jour une fonction de création de fenêtre. Là je suis en train de mettre à jour le chargement des data. Une fois qu'on a ça, bah en gros on a le chargement de deck, le chargement de cartes qui marche, sauf que les cartes qui sont chargées, elles n'ont pas de propriété. Ils ont pas leurs infos propres de est-ce que je suis un héros, est-ce que je suis un monstre, est-ce que je suis une habilité, est-ce que je suis un item, est-ce que je suis un event. Ce qui sera du coup la prochaine, prochaine, prochain objectif, le prochain objectif. Et voilà. Est-ce que Et c'est Joe, clair? tu as manqué la maquette, la mock-up, C'était la partie la plus intéressante. qui a duré au final 30 minutes seulement, parce que personne n'a posé de questions sur le lore ou quoi, ou sur les Je questions. pense que personne n'a compris, mais ils osent pas le dire. Ouais, je pense aussi. Et quant à moi, dans GDD, je suis, si vraiment on suit toujours l'exemple du Gamma Sutra de Leandro Gonzalez, c'est l'item and power-ups. Il y a quelqu'un qui Gros. demande c'est quoi le lore? C'est le C'est quoi le lore? lore. Alors Gadgat, est-ce que tu poses ça pour troller? Ou es-tu Non. sérieux? Parce que j'en ai. Le Gengat est toujours sérieux. Parce qu'en vrai, alors donc. On arrive en retard aussi, bah oui. Vous ne serez pas pardonné d'ailleurs. 14 Super. Là, bah d'ailleurs sur ma petite fenêtre, je ne suis pas sur le GDD là, sur la petite fenêtre, en fait, je suis sur. C'est un genre de métal, non? Putain. En gros, là je suis sur la fenêtre du JDR, donc c'est-à-dire qu'en gros il y a des statistiques qu'il faut pas faire attention. Si jamais vous arrivez à avoir une petite patte de mouche, mais de toute façon c'est pas important, donc ne zoome pas, Ulor, please. Donc en gros c'est le lore du jeu directement, c'est vous êtes une guilde hein, qui rentre en compétition dans le monde impitoyable des guildes d'aventuriers. Donc les guildes provient. La vanne est validée, super, merci Céline. Du coup, vous êtes dans un monde où, en gros, les guildes fournissent plusieurs services. C'est-à-dire qu'il y a des contrats d'assassinat pour certaines plus illégales. Il y en a d'autres où ce sont de la protection de mercenariat, ça peut être des équipes d'exploration, ça peut être mandaté, comme ça peut être en fait cause un peu perdue. C'est-à-dire, il faut chercher des thunes pour la guilde, donc du coup, on va envoyer des gars sûrs pour faire certaines choses. C'est pas que du monster bashing, hein, on sait pas. Et en gros, c'est ça le lore du jeu où vous êtes là qu'on est en train de faire. Donc, il y a plusieurs races. Dans les races qu'il y aura dans les héros, on va mettre, il y a les humains. Expliquer sur les humains, à part le fait que ce sont un peu l'une des dernières races créées par les dieux, hein, qui sont parcourent cet univers-là. Ils sont normalement destiné, selon certaines prophéties, en fait, à hériter de l'entièreté de l'Astra Terra, qui est en fait la terre où l'histoire se profile. Ils sont très fertiles, hein, ils se reproduisent très très vite par rapport aux autres espèces qui mettent un peu plus de temps. Ils ont une courbe de progression assez monstrueuse, donc c'est pour ça d'ailleurs que maintenant ils peuplent énormément la planète. Ils sont généralement regroupés en royaumes et en empires. Leur culture varie surtout selon sous quelle tutelle ils ont décidé d'être, donc c'est-à-dire certains dieux, tout ça. Donc ça, c'est un peu la race Vanilla pour certains. Moi, généralement, moi dans les JDR, j'aime bien jouer les humains parce que en fait, je trouve que les autres races, c'est un peu trop anthropomorphe. Et en fait, on pourrait limite les considérer comme des... Comme juste une autre culture humaine. En fait, leur espèce importe vraiment très très peu. Et je vois pas l'intérêt, en fait, généralement. Donc c'est pour ça que moi, dans les JDR, généralement, vous me verrez jouer seulement humain.
je prendrais pas d'autres espèces, à moins que ce soit que des jeux avec d'autres races que les humains. Donc après, il y a les demi-elfes, parce que à la base, on peut pas jouer un elfe dans le jeu, parce que ce sont... c'est des hybrides, hein, c'est l'union d'un humain et... enfin, d'un humain ou d'humaine avec un elfe ou une elfe. Oui, c'est raciste, on est d'accord, super, merci Sini. Tu veux que je me fasse bannir de Twitch, c'est ça? Et en gros, voilà, c'est... Il faut savoir une chose, c'est que les elfes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, je vais pas le répéter, je vais y être là, lol. Ils ne supportent pas cette hybridation. Donc c'est généralement, quand vous êtes un demi-elfe, déjà vous êtes un paria. Hein. C'est clairement un paria. Donc parce que les humains vous voient comme étant un demi-elfe, donc du coup déjà ils se méfient de ouf, parce qu'ils savent pas trop reconnaître un elfe d'un demi-elfe. Parce que les elfes se sont retranchés sur leurs îles et ils veulent pas sortir. Et ils veulent avoir aucun contact avec le reste du monde. Ça les emmerde et qui tout ça en dessous d'eux. En fait, de converser avec des races qu'ils jugent inférieures. Oui, les elfes dans mon univers sont des salauds. Des gros racistes. En vrai, dans beaucoup d'univers, les elfes, c'est des salauds. Oui. Enfin, Alors, des je vois le robots troll arriver intolérables. d'Adnan, je vais pas te lire. Classique. Et en gros, bah, du coup, quand vous êtes un demi-elfe, vous avez été élevé seulement par votre parent humain, parce que l'autre parent elfique s'est fait buter par les siens. Voilà. Donc, on va pas chercher plus loin. Généralement, vous êtes un petit peu pas bien loti, généralement, quand vous êtes un demi-elfe. Sachant que l'île des elfes est normalement en fait tout un pan de campagne dans le jeu. Donc c'est pour ça que j'irai pas plus loin, parce que si jamais un jour je vous retrouve sur mes tables, j'ai pas trop envie de vous spoiler. Et après, vous avez les nains. Alors, les nains, j'ai choisi. Alors, c'était pas... Par contre, soyez pas trop critiques, parce que c'était le tout premier JDR que j'ai créé. Et à la base, je voulais le créer seulement pour étudier les mécaniques de gameplay en JDR. Donc, le lore, franchement, je l'ai fait vraiment 2-2. D'accord? Donc, voilà. Donc, les nains, en fait, c'est. Il n'y a pas de naines ou toutes ces conneries-là. Il n'y a que des nains. Ils sont asexués, ils n'ont pas besoin de se reproduire parce qu'en fait ils sortent directement de la pierre. Donc j'ai pris en gros la. Sortent de la pierre. De quoi, pardon? Ils sortent de la pierre. Oui, parce qu'en fait j'ai pris l'origine scandinave des nains. Donc c'est-à-dire qu'en gros ce sont littéralement des gens qui sortent de la pierre. Sortent des roches. Ils sont pas gays parce qu'ils n'ont pas de sexe. Ils ont littéralement pas de sexe. Et ils ont pas cette envie sexuelle, donc tu t'en fous. Ils sortent de la pierre mère ou du rocher père, ça dépend des différents royaumes nains que tu vas aller, de la traduction littérale qu'ils vont faire. Quelques cours de biologie. Non, c'est ninja, c'est un monde magique, c'est de la magie, donc la ferme. J'ai réutilisé la phrase, je voulais l'utiliser. Mais en gros, c'est une des races les plus vieilles, hein, clairement. Ils ne sont pas Pas parvenus si de. vieille Bah, que la voilà. terre. En gros, quand un nain meurt, t'en as un autre qui le remplace, qui sort de la pierre. Il possédera les mêmes tributs de la famille d'où il venait, donc c'est-à-dire la couleur de cheveux, la construction faciale. Bref, c'est comme si c'était un enfant, quoi. Et il atteint le statut d'adulte après seulement 10 ans, parce que ça grandit très vite malgré leur taille. Ils en viennent. C'est des racailloux, en fait, oui, pratiquement. Ils sortent des pierres. Mais c'est que les nains, comment c'est pas, les autres, ils se reproduisent. Commencez pas! Non mais. Donc. Ah! Dans Alors tes par pierres contre, familiales. dans cet univers-là, leur population commence à se réduire de plus en plus. Hein. Vraiment. Donc, du coup, les nains sont en voie de disparition. Donc, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de royaumes nains. Et. C'est un peu la merde. Donc, normalement, dans le JDR, quand on rencontre un, c'est pas encore rare. Mais tu sens. Enfin, c'est de notoriété publique que les nains. Peut-être en profiter, bah c'est comme l'eau, dans 20 ans il n'y en aura plus quoi. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Après nous avons les semi-hommes, les alphelines, les. Je vais à Toulouse, bisous. Bah salut Sirlois. Chouchou, littéralement. Chouchou. Et donc du coup les alphelines, eux, c'est. Alors. Moi, ce que j'ai écrit comme description pour les Alphines, franchement, j'ai été hyper méchant. C'est on peut vous dire que ce ne sont qu'une vaste blague cosmique, une espèce d'enfant avec des oreilles d'elfe, des parodies d'humains, diront certains, mais ils sont là, vivants aux côtés des autres. Personne ne sait d'où ils viennent, ou leur rôle dans la vie en général. Ils sont là et cela leur suffit.
Ils aiment profiter de la vie, peut-être que c'est dû au fait qu'ils vivent moins longtemps que les autres. Certains diront que ce sont des réincarnations de personnes qui n'étaient pas tout à fait prêtes pour passer de l'autre côté de la mort. Donc, les Elflines, ça dit que 60 ans, c'est moins grand qu'un nain. Et voilà. Littéralement, un Elfline, c'est ça. Donc, par contre, ça passe vachement unnoticed. Donc, vous pouvez faire tout. Généralement, d'ailleurs, les Elflines qui sont jouées dans JDR, c'était plutôt des voleurs. Mais, bizarrement, si tu veux tout savoir, Ulor, il y avait beaucoup plus de mages Elflines que de voleurs. Les gens voulaient faire que des mages. C'est impressionnant. T'as beaucoup de temps libre, Norse, oui, énormément. Pourquoi pas après tout? Après, on a les Loki, hein, la race bleue qu'on a vue. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des boules de poils bleutées. Hein, clairement. D'ailleurs, c'est un petit. En fait, c'est ma contrepartie pour pas que les gens jouent des orques, parce que les orques, pas ça. Les orques, quand vous voyez dans les JDR, généralement, c'est des monstres à bâcher. Ce n'est pas intelligent, ce ne sont que des formes végétales. Parce que oui, à la base, c'est ça, un orque, c'est un être fait à partir de plantes. Voilà, ah, c'est nerveux. Donc, les Loki, c'est clairement, ils sont un peu moins grands que les humains en règle générale. En fait, ils sont vraiment entre les demi-elfes et les humains en termes de taille. Ils ont une musculature, par contre, excessivement plus importante que les humains. Hein. Du coup, c'est des forces de la nature directement. Le fait qu'ils n'ont pas été créés par les dieux ou par une évolution logique de certaines espèces qui ont évolué jusqu'à devenir une espèce douée de civilisation. Ils ont été créés par, on ne sait pas trop, mais on sait qu'en tout cas c'est pas les dieux. On pense, enfin, on sait que c'est par des mages qui ont voulu faire des tests. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ne prient aucun dieu généralement, mais qu'ils prient plus des esprits de la nature, qui sont plus enclins avec les esprits de leurs ancêtres généralement. Donc quand ils vont jurer, c'est plus oh par mes ancêtres, c'est un peu comme oh mon dieu, tu vois, pour eux. Donc voilà, c'est la contrepartie de ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont un peu plus primitifs. Peut-être même la race la plus primitive en termes de civilisation que les autres. Parce que des fois, ils se coupent de la civilisation parce qu'ils sont quand même assez mal vus, quelque part. Parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Ils n'ont pas été créés par des dieux. Ils n'ont pas été là par l'évolution, tout ça. Donc c'est chiant. Faut pas. Ils sont mal vus. Voilà. Après, on a les hommes félins ou femmes félins, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, bref, c'est une expérience ratée des elfes pour essayer de regagner leur aspect éther pour revenir auprès des dieux. Donc, du coup, ils ont testé ça sur les félins, sur divers félins. T'as des. Comment dire? Il y en a qui pensent que c'est une mauvaise. Et d'autres qui pensent que c'est une heureuse expérience elfique. Car c'est vraiment par la grande panique. Hein. Les elfes, ils paniquaient, ils sont devenus mortels, faits de chair et de sang. Du coup, ils ont vraiment, dans un premier temps, essayé vraiment de regagner. Pour eux, c'est comme s'ils avaient dévolué. Malgré le fait que évoluer, ça veut tout et rien. Du coup, il y a plusieurs félins. Donc c'est pour ça que dans les hommes félins, vous pouvez vraiment partir en mode complètement. En live, donc c'est-à-dire vous pouvez faire des hommes félins inspirés de chats, d'autres qui vont partir dans des lions, d'ailleurs très intéressant, mais d'ailleurs les seuls hommes félins ou femmes félins qui sont admis pour être des paladins de la lumière, ce sont des lions, parce qu'en fait ils font partie de la tribu Léonin, et ils ont été convertis à la lumière. Donc du coup, c'est pas rare de voir parmi les paladins qui s'entraînent là, dans les camps d'entraînement des paladins, des hommes ou des femmes lions ou lionnes. Ah, merci les filles, c'est gentil. Qui s'entraînent du coup à être paladin. Donc ça peut, du coup, c'est un peu classe de voir un espèce d'homme lion ou de avec toute sa crinière et tout, avec une armure de plate, balançant des spells de lumière. C'est marrant visuellement, moi je trouve ça sympa. Donc voilà. Donc par contre, eux, ils prient généralement si jamais ils sont pas de la lumière, parce que généralement quand tu pries la lumière, tu pries du coup les dieux de la lumière. Mais généralement, eux, par contre, ils prient la déesse des animaux, qui est Milésis. Mais en fait, c'est la déesse des animaux félin en plus. Donc c'est pour ça, du coup, qu'ils l'ont pris comme sainte patronne de leur espèce. Donc voilà.
Après, on a les Pendragons, que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Donc, en fait, dans les Pendragons, c'est vrai, là, ce qu'on voit dans ce jeu-là, et de toute façon même dans l'IDR, les Pendragons, ce sont les descendants de ceux qui appartenaient à leur civilisation antique qui priait les dragons, hein, qui, du coup, ont bu le sang des dragons, parce que, en fait, ils ont voulu s'amuser, les dragons, hein, parce que les dragons, c'est ni bon ni mauvais. Hein. Il doit falloir un sacré potence pour prendre un dragon. Oui. En fait, non, ce sont les dragons qui leur ont donné sciemment leur sang. Ils se sont amusés, ils ont dit, ah bah tiens, allez, attends, on est des divinités pour eux, bah c'est très drôle. Bah tu sais quoi, on va s'amuser, on va leur donner un peu de notre sang, on va voir ce qui se passe. C'est plus compliqué que ça, mais je vous la fais courte. Mais du coup, bah ils ont fait ça. Ils ont bu le sang des dragons pour faire une espèce de communion avec leur divinité, sauf que bah, le sang draconique a fait un tour seulement. Et leurs corps se sont mis à changer, parce qu'à la base c'était des humains. Leur corps s'est mis à changer, leur esprit a changé aussi par la suite, parce qu'il n'y a eu que des désastres violents. Parce que quand tu te tournes en Pendragon, le problème c'est que tu as la rage draconique en toi, et du coup, bah, les Pendragons sont très instables émotionnellement. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui les énerve et ils peuvent devenir violents assez rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que généralement les gens bah, sont un peu intimidés quand ils sont en face d'un Pendragon, parce qu'ils ne savent pas. Ils savent pas quand est-ce qu'ils vont partir en live, tu vois. Il y en a qui arrivent à se contrôler, mais il y en a qui sont un peu plus, on va dire, sensibles. Eux, par contre, ils partent en live tout de suite. Donc c'est pour ça que c'est chiant, un Pendragon, des fois, à rencontrer. Mais c'est une race jouable, donc. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, généralement, qu'ils ont des noms un peu latins, les Pendragons, parce que c'est leur héritage culturel. Malheureusement, leur civilisation d'avant n'existe plus. Donc, on peut aller voir les vestiges si jamais il y en reste, mais. Il n'y a plus personne, la civilisation a complètement sombré à cause des guerres et tout le bordel qui s'est passé. Donc voilà. Donc ça, ce sont les Pendragons. Et je ne sais pas par quelle. Il y a deux autres races à finir. Donc il y a les Wakasi et les Amashi. Donc il y a deux choses à dire. Les Wakasi et les Amashi, en fait, ils proviennent d'une autre espèce. Ça peut être un nain, ça peut être un homme félin, ça peut être un humain, ça peut être un demi-elfe. Bref, ils peuvent venir de n'importe où. La différence. Elle est énorme. Dans un premier temps, on va parler des Amashi. Un Amashi, en fait, c'est le nom que vous portez quand vous commencez à vendre des parties de votre âme, à des divinités sombres ou pendant des rituels et tout ça. Visuellement, votre corps se solidifie, enfin votre peau commence à se transformer comme une espèce de roche. Donc du coup, ça se voit direct quand vous êtes maudit dans cet univers-là. Parce que en fait, l'âme n'arrive plus à contenir votre forme physique. Parce qu'elle est corrompue ou elle est en partie enlevée par des rituels ou par des pactes noirs, et du coup vous vous transformez directement, progressivement en Amashi. Vous vous doutez bien qu'ils sont pas super bienvenus dans les villes généralement. Vraiment. Et généralement ils se cachent comme des pesteux, comme des pouilleux, bah, non, plus comme des lépreux en vrai. Ils se cachent vraiment comme des lépreux parce que bah, personne veut voir un maudit dans sa ville, quoi, tout bonnement. Donc c'est pour ça. Donc il faut prendre ça en compte. Donc du coup, il peut avoir n'importe quelle apparence, c'est juste que sa peau commence à se solidifier et commence à ressembler un peu plus à la chose des quatre fantastiques, quoi, dans l'idée. Ça, c'est les Amashi. Il n'y a rien d'autre à dire à part ça. Les Wakasi, par contre, eux, ce sont les espèces d'hommes piaf. Donc il y a les faucons, il y a les corbeaux, les machins. Eux, ils sont très, très, très compliqués dans un sens. En gros, depuis la nuit des temps, à un moment donné, quand les civilisations commençaient à atteindre des prouesses technologiques ou des prouesses artistiques, enfin bref, qu'ils étaient des, il y a des individus comme ça qui étaient des génies dans leur domaine, d'accord? Donc que ce soit artistique, dans l'écrit, dans la scientifique, bref, tout ça. Au-dessus, dans les nuages, enfin cachés par les nuages généralement, il y a des villes. Je vais me faire un Ces café, je villes-là. reviens. D'accord. Dans ces villes, en fait, vive une espèce aviaire qui n'est pas naturelle. Parce qu'en gros, c'est un cadeau des dieux. Donc, il y a le dieu de la magie, qui est aussi le dieu de la connaissance, et dieu de la lumière et tout ça, qui en gros ont permis de créer une ville au-dessus des nuages, où quand tu es choisi, en fait, ils viennent, ils te prennent, ils te disent, voilà. Tu peux devenir l'un d'entre nous, c'est-à-dire que ton corps va se transformer visuellement pour ressembler à
un piaf, hein, donc c'est-à-dire que soit en faucon, soit en goéland, soit en machin, un hybride en gros entre un humain et un machin, enfin et un oiseau quoi. Du coup, tu vas avoir tes ailes, du coup, tu vas pouvoir voler, donc c'est chouettos. Mais en Mais plus en de plus de ça, ça, ton ton espérance de espérance de vie vie va va drastiquement drastiquement augmenter augmenter et tu seras et tu libre seras de libre de continuer ton continuer ton travail, travail, tout tout ça, ça, ici, ici, dans cette dans cette ville. ville. Par Par contre, contre, tu ne tu ne pourras pourras plus plus jamais jamais retourner retourner en en bas. bas. Parce que la Parce que la dernière dernière fois fois qu'on qu'on a a essayé essayé d'aider d'aider les les gens gens d'en d'en bas bas en en leur leur apportant apportant des des technologies technologies ou ou des des connaissances connaissances ou ou de de la la médecine, médecine, bah bah ça ça foutu foutu la la guerre. guerre. Donc, Donc, nous sommes nous sommes immortels. immortels. C'est-à-dire que C'est-à-dire si que jamais si on ne jamais tue on ne pas tue pas directement directement avec... avec... Ah, il y a Ah, de il y a de l'écho, bah ça l'écho, doit bah être ça le doit être stream le stream de de Hulor Hulor parce parce qu'il qu'il m'a m'a pas pas mute, mute, enfin enfin il a il pas a pas baissé baissé le le cher. cher. Je Je sais sais pas pas comment comment je je pourrais, pourrais, je je peux peux rien rien faire faire moi moi là-dessus. là-dessus. Parce Parce qu'il qu'il faut faut que que j'attende j'attende qu'il qu'il revienne revienne du du coup. coup. Donc Donc je je vais vais essayer essayer de de pas pas parler parler trop trop fort, fort, histoire histoire que que l'écho l'écho soit soit pas pas trop trop imbuvable. imbuvable. Ok, Ok, des des bisous, bisous, Jude. Jude. Donc Donc en en gros, gros, à bientôt. bientôt. La chaussée au moins. En En gros, gros, c'est c'est ça ça qui qui s'est s'est passé passé normalement normalement à à la la base base avec avec les les Wakasi. Wakasi. Le Le problème, problème, c'est c'est qu'il qu'il y y a a eu eu un un délire. délire. Ou Ou en en gros, gros, il y a eu la la guerre en guerre bas à en un bas moment moment donné. donné. Ça a Ça a foutu foutu le le bordel bordel partout. partout. Les Les dieux dieux leur leur ont ont dit, dit, bon, bon, vous vous descendez descendez maintenant maintenant pour pour les les aider aider parce parce que, que, y a un y a un problème problème que que je je vais vais pas pas révéler révéler ici ici parce parce qu'en qu'en gros, gros, il il faut faut jouer jouer au au JDR JDR pour pour comprendre. comprendre. Mais Mais en en gros, gros, les les Wakasi Wakasi ont ont dit, dit, bah bah non, non, l'OMDR, l'OMDR, non, non, pas pas du du tout. tout. On On va va pas pas descendre descendre parce parce que que la la dernière dernière fois fois qu'on qu'on a a descendu, descendu, on on a a aggravé aggravé la la situation situation parce parce que que tout tout le le monde monde s'est s'est foutu foutu sur sur la la gueule. gueule. Qu'on Qu'on n'y n'y va va pas. pas. Les Les mecs mecs ont ont fait, fait, ah ah ouais! ouais! Eh Eh bah bah écoutez, écoutez, on va on va péter, péter, on on arrête arrête d'augmenter, enfin, d'augmenter, d'alimenter d'alimenter la la ville ville pour pour qu'elle qu'elle continue continue à à flotter flotter au-dessus au-dessus des des nuages. nuages. Mais Mais bah du bah coup, du coup, bonne bonne chance chance quoi. quoi. Et là, les Et Wakasi, là, les ils ont Wakasi, perdu ils ont perdu leur leur ville ville qui qui ont ont commencé commencé à à chuter chuter sur sur la la Terre. Terre. Ils Ils ont ont perdu perdu leurs leurs ailes, ailes, donc donc du du coup, coup, ils ils se se sont sont retrouvés retrouvés toujours toujours avec avec le le même même corps corps de de piaf, piaf, mais mais sans sans les les ailes ailes derrière derrière le le dos dos pour pour pouvoir pouvoir voler. voler. Et Et en en plus plus de de ça, ça, on on leur leur a a enlevé enlevé la la connaissance connaissance qu'ils qu'ils ont ont accumulée accumulée depuis depuis qu'ils qu'ils étaient étaient en en haut. haut. Et Et le le pire, pire, c'est c'est que que maintenant, maintenant, du du coup, coup, ils ils ne ne sont sont plus plus immortels, immortels, donc donc c'est-à-dire c'est-à-dire qui qui sont sont pas pas enfin, enfin, virtuellement virtuellement immortels, immortels, parce parce qu'en qu'en gros, gros, immortel, immortel, c'est c'est que que tu tu peux peux toujours toujours être être tué, tué, hein, hein, si si on on te te tire tire une une balle balle dans dans la la tête, tête, si si tu tu es es métamortel, métamortel, tu tu meurs meurs quand quand même. même. Immortel, Immortel, par par exemple, exemple, tu tu ne ne mourrais mourrais pas pas si si on on te te tirait tirait une une balle balle dans dans la la tête. tête. Donc, Donc, ils ils ont ont tout tout perdu, perdu, mais mais en en plus plus de de ça, ça, même même leurs leurs connaissances connaissances ont ont été été perdues. perdues. Donc, Donc, ils ils ont ont décidé décidé que que bah, à bah, à un un moment moment donné, donné, fuck fuck d'être d'être des des croyants. croyants. Les Les dieux dieux nous nous ont ont trahis. trahis. Du Du coup, coup, bah bah merde merde en en fait. fait. Du Du coup, coup, on on va va essayer essayer de de survivre. survivre. Parce Parce que que avec avec la la chute chute des des cités, cités, ils ils ont ont perdu perdu un un nombre nombre incalculable incalculable de de leurs leurs semblables. semblables. Du Du coup, coup, ils ils sont sont venus venus là là où où avant avant les les autres autres royaumes royaumes et et empires empires ne ne savaient savaient même même pas pas qu'ils qu'ils existaient, existaient, puisque puisque leur leur secret secret était était hyper hyper bien bien gardé gardé hein, hein, quand quand même, même, depuis depuis des des siècles siècles et et des des siècles siècles et et des des siècles siècles qu'ils qu'ils étaient étaient en en haut. haut. Et Et voilà. voilà. Donc, Donc, stylé stylé pas pas stylé, stylé, bah bah du du coup, coup, maintenant, maintenant, ils ils essaient essaient de de se se démerder démerder pour pour survivre. survivre. Il y en avait qu'un seul d'ailleurs qui a gardé Gardé encore encore la la religion religion auprès auprès de de lui lui et qui et a qui a essayé essayé de de rassembler rassembler ses ses semblables semblables autour autour du du même même bannière bannière histoire histoire d'essayer d'essayer de de cohabiter cohabiter avec avec les les autres autres royaumes. royaumes. Malheureusement, Malheureusement, ça ça s'est s'est pas pas très très bien bien passé passé pour pour lui, lui, il il est est mort. mort. Et Et du du coup, coup, bah, bah, les les Wakasi Wakasi sont. sont. En En fait, fait, les les gens gens sont sont méfiants méfiants par par rapport rapport à à eux, eux, mais mais ça ça passe. passe. Parce Parce qu'en qu'en gros, gros, si si vous vous voulez, voulez, normalement normalement dans dans JDR, JDR, tu tu interviens interviens après après qu'ils qu'ils soient soient un un petit petit peu peu plus. plus. Bah, Bah, normalisé normalisé dans dans la la société. société. Donc, Donc, c'est-à-dire c'est-à-dire que que les les gens gens savent savent qu'ils qu'ils existent existent maintenant. maintenant. Ils ont Ils ont bien bien compris compris que que les les gars, gars, bah, bah, en en gros, gros, ils ils ont ont tout tout perdu, perdu, c'est c'est des des réfugiés. réfugiés. Et Et honnêtement, honnêtement, ça ça va, va, ils ils ont ont vu vu d'autres d'autres espèces. espèces. Un Un Wakasi, Wakasi, c'est c'est pas pas si si déconnant déconnant à à côté, côté, quoi. quoi. Par Par contre, contre, bon, bon, voilà, voilà, il il y y a a quand quand même même une une grosse grosse méfiance. méfiance. Parce Parce que, que, technologiquement technologiquement parlant, parlant, les les fouilles fouilles des des cités cités qu'ils qu'ils essayent essayent de de retrouver, retrouver, parce parce que que les les cités, cités, maintenant, maintenant, du du coup, coup, ils ils avaient avaient un un système système de de camouflage camouflage pour pour se se changer. changer. D'ailleurs, D'ailleurs, il y il y avait avait une une campagne campagne où où ils ils ont ont trouvé trouvé une une cité cité Wakasi Wakasi
Normalement, t'as des rôdeurs, ils se ressemblent pas. Hein. Re. Ils sont. À ce qui paraît, il y a un écho, vu que tu m'as mis. Je crois que c'est Il y le a un partage écho. d'écran sur Discord. Vu qu'il y Il a y a du partage son sur le d'écran. partage d'écran normalement? Non. Ouais. Si, il faut que tu fasses clic droit sur mon truc. Et que tu baisses le Ah oui, on volume. a Pas fait sur un. moi, mais sur. Voilà. Excusez-moi. Je Pas ne grave. savais pas qu'il y avait du son sur les Quand partages c'est un d'écran. partage d'écran, si. Si jamais c'est une partage de fenêtre, c'est pas pareil. Ah, d'accord, c'est peut-être pour ça. Ouais. Pour ça. La bonne douille. Donc Et normalement, c'est bon, là, il n'y a plus d'écho. bah merci. Là, pour le coup, là, j'étais en train de finir sur les classes et après on reprend. Tranquille. Du coup, oui. Donc, par exemple, dans les guerriers, il n'y a pas. Quand tu vas jouer guerrier dans mon JDR, tu peux faire une équipe full guerrier. Genre, il n'y a que des guerriers dans les quatre connards. Mais sauf que les quatre connards, en fait, ils vont pas du tout être de la même sorte. Parce que, en gros, dans les guerriers, t'as paladin, t'as barbare et t'as guerrier simple. Et c'est pas pareil. Parce que même dans les paladins, après, t'as des sous-catégories. T'as épée du jugement, bouclier divin, les barbares uniques, captiens, soldats, stratèges. Bref, il y a tout ça. Donc, après, il y a aussi les rôdeurs, il y a voleurs, il y a mages. Hein, Et les ça, du mages coup, c'est arcaniques, le GDD élémentaires. ou c'est le Hein. document du JDR? De quoi? Ça, c'est le GDD ou c'est le document du JDR? Document du JDR. Ah, je me disais, ouais, c'est celui que j'ai déjà vu. Ouais. Exact. Après, on a l'invocateur. Donc, eux, c'est. Bah, t'invoques, hein, tout bonnement. Il y a les invocateurs, les grands invocateurs. Donc, c'est-à-dire, t'as les saints, les meutes. Donc, c'est-à-dire, plus insectes ou les plus grosses bébêtes. Et après, vous avez les nécromanciens. Les nécromanciens sont méga mal vus. Hein. Si vous jouez nécromancien, franchement, y a le racisme à côté, c'est gentil. Hein. Non, vraiment. Hein. Genre, vous êtes pourchassé. Hein. Par exemple, un nécromancien qui bosse avec un paladin, le paladin, il laisse pas de nécromancien en vie. Hein. Vraiment. Genre, Déjà, les il bosse joueurs pour sont le obligés sang, de se foutre sur de la gueule. base. Bah, parce qu'en fait, quand tu joues paladin dans JDR, t'es obligé de te battre contre ça, sinon en fait, tu perds tes pouvoirs. Donc, oui, non, non. Tu veux garder tes pouvoirs, faut tuer le nécromancien à côté. Tout simplement. L'impie doit mourir. Il doit mourir pour la lumière. Et après, du coup, on a le mage du chaos. Alors, les mages du chaos, attention, c'est pas les méchants. On est méchant parce que c'est le chaos. C'est pas comme dans Warhammer, par exemple. Tu vois. Le chaos, en fait, faut prendre ça dans l'explication grecque antique, qui est en fait la balance entre le bien et le mal. En fait, c'est vraiment le juste milieu. D'accord? Parce que c'est pas, et pas de la façon manichéenne, on parle bien du bien et du mal, c'est-à-dire le surbien et le surmal, sachant que c'est les deux choses en fait, ça rentrerait. Bonjour Mio, qui pourrait foutre le bordel. Hein. Bonjour, C'est pour bonjour, ça qu'en gros, Mio. dans cet Mio, univers-là, les Mio. mages du chaos, dans l'histoire, c'est plus des. C'est un endroit safe. Bah, c'est des safe mecs, quoi. En gros, c'est. Tu signes la charte du chaos, c'est-à-dire qu'en gros, tu n'as pas le droit. De faire tout ce qui est la différence sociale entre plusieurs catégories de personnes. Tu n'as pas le droit de mettre en avant une race en particulier, il faut que tout le monde soit égaux. C'est des Mais en socialistes en contrepartie, fait. si jamais tu signes cette charte, c'est-à-dire qu'en gros toutes les religions ont le droit d'avoir un lieu de culte sur ton territoire, parce que en fait c'est un peu comme des prêtres mages en fait, mais c'est pas vraiment parce que leur divinité à elle veut pas être priée comme étant un divin. Et tu nais en fait avec. Le pouvoir chaotique en toi, en fait, c'est limite un don inné. Et du coup, ils érigent des grosses tours, des machins et tout ça pour garder le territoire. Et en fait, ils sont garants en fait de la neutralité et de la sécurité entre tout. Parce que pour eux, en fait, dans leur croyance, c'est que à la fin de toute chose, en fait, quand ce sera la fin des temps, salut Malo, t'auras tout le monde qui va se foutre sur la gueule et leur Coucou. divinité normalement est inscrite comme étant le grand gagnant. Et lui, en fait, il récupère tous ceux qui sont généralement mis au banc des autres religions parce qu'ils ont voulu essayer de vivre leur vie ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ils se reconnaissent entre eux. Hein. C'est comme dans Highlander, en gros, ils ressentent quand il y a un autre mage du chaos dans les parages. Bon, après, vous avez les prêtres de lumière et les prêtres de douleur, et enfin, les pères de douleur, pardon. Les pères de douleur, typiquement, ce sont des mecs qui font c'est des occultistes, tout simplement. Et après, vous avez les classes spéciales dans le JDR, mais qui ne seront pas dans notre jeu. Après, il y a aussi les dieux sélectionnables, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est... Voilà, ça c'était le lore à la base du jeu qu'on est en train de faire. La partie lore. Voilà. Maintenant, on peut peut-être faire les équipements et améliorations de guildes du jeu. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Eh oui.
S'il n'y en a pas, on va continuer. Moi, en tout cas, moi, il faut que je fasse l'autre partie du GDTR. Ça le fait? Si ça N'hésitez le fait, pas à je... dire si vous préférez avoir le code ou le GDD et tout ça. Oui, je suis toujours en vie, ouais. Oui, d'ailleurs, hein, demandez... n'hésitez pas à demander à Switch. D'ailleurs, tiens, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de code. Vu que tu m'as laissé tout seul à un moment Ça donné fait pour pas expliquer longtemps, mon parce lore. que je t'ai laissé quoi, peut-être 10 minutes tout seul. Oui, bon. Ça D'accord. fait pas longtemps du coup. Oui, bah ça va. Essaie pas de me tout louper. Bah d'ailleurs, du coup, tu fais quoi là directement, là, sur ton code? Là, rien. Là, Parce qu'on a rien? fini de tout mettre à jour. Il faut que j'arrive à trouver une manière de gérer les composants spécifiques des cartes, que ce soit le héros, le monstre ou l'habilité et tout ça, de manière propre. D'accord. Je suis en train de chercher un truc qui marche. Ah oui, tu vois, pour les invocateurs. Bon, pour ceux que ça intéresse, en gros, quand tu joues au JDR, ça, par exemple, c'est juste les invocateurs, et c'est juste une branche, c'est grand invocateur. Donc, c'est-à-dire, voilà, t'as toute cette liste de sorts. Il faut que tu fasses C'est pour ça que j'ai jamais joué à Invocateur. Non, mais t'as pas tout ça dans ta fiche de perso, mais il va falloir. En gros, tu Là, il fais faut ton que tu propre deck, choisisses. hein. Et ça, c'est juste une sous-classe d'une Une classe, classe. hein, les gars. Donc, ouais, on part de ça quand même. Donc, soyez indulgents. Alors, bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais suivre du coup le GDD. Et dans le GDD, j'ai quoi? C'est Item and Power-Ups. We use this section to elaborate on the game mechanics in order to avoid adding a single section with everything in our brain spurred into it. We use the section above to describe the core mechanics, and this section to talk about things that can be added to the game in order to improve the fun and empower the player. Donc pour ceux qui ne sont pas anglais, qui ne parlent pas anglais, pardon. Donc en gros, on va parler des petits items, des petits power-up, généralement pour améliorer le gameplay ou pour reward le joueur. Dans notre cas, ça va être les cartes équipement, ce qu'on va pouvoir donner dans les guildes, bref, tout ce qui va améliorer en gros la partie du joueur, quoi, tout simplement. Donc on va add un peu bah, tout, donc c'est-à-dire les améliorations de guildes, les équipements sur lesquels on va pouvoir tomber. On va parler aussi des potions et tout ça. Donc les consommables aussi, ça peut être très intéressant. Et après, on aura la progression de challenge. Donc oui, comme je l'ai dit, hein, pour ceux qui peut-être nous rejoignent seulement maintenant sur GM Spell ou ceux qui se regarderont la VOD d'ailleurs, on utilise du coup le Gamma Sutra écrit par Leandro González pour avoir une ligne directrice, gros. Hop, tac, pardon. Hop, voilà. Donc, voilà, on utilise ça en gros pour. Il fait rien, on est d'accord? Non, 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 justement, c'est peut-être lui qui bosse le plus entre nous deux. Alors, ouais, là ça se voit pas des masses, mais c'est ce que c'est l'instant réflexion. Oui. J'ai bossé pendant 1 heure et demie, juste avant. Donc on utilise ce document-là justement pour faire notre GDD, hein, donc c'est-à-dire que ça va être un petit peu la bible du jeu qu'on est en train de faire, que vous aurez libre accès sur notre Discord à un moment donné. Donc d'ailleurs on est en train de voir comment on peut le partager. Parce que tout le monde croit qu'on bosse. Il en aura tous sur les 100 dernières. 100 derniers mètres. Pourquoi j'ai dit M? Il aurait carré tout le projet. Non, mais ça va, on va peut-être se calmer aussi. Moi aussi, je suis là. Commencez pas, merde! C'est vrai que l'avantage des devs, c'est que tu peux ne rien faire et dire non, mais je réfléchis, t'inquiète, c'est normal, c'est mon taf. Norse parle beaucoup. Ouais, mais c'est bien du coup, parce qu'au moins vous êtes pas tout seul. Norf, il parle beaucoup. Non, mais. Va falloir vraiment que je te rosse à un moment donné, ces ninjas sont impressionnants.
L'équilibre parfait. Ah tiens. Bah tiens. Du coup, comment on va tourner ça? Par exemple, on a un exemple là. Donc, quand on finit un monde, donc j'imagine un tableau ou quoi, tu peux avoir un power-up qui est en liaison avec ce monde. Par exemple, terminer le monde du volcan peut te donner un item qui te donne des vraies gnoomies. Des gnoomies rouges. Ouais, enfin bon, c'est parce que là, il a tout un exemple avec des gnoomies. Des gnoomies. Je sais pas ce que c'est. Bon, plus puissant. Ça peut être une écharpe ou quelque chose qui peut être porté. Et ces items peuvent être vus en jeu après. Tu peux les augmenter, enfin les level up, en utilisant la currency, in-game currency. Putain, comment on pourrait traduire ça en français? La monnaie, la monétisation, La monnaie du jeu, ouais, carrément. l'économie. Ouais, ouais. Ou utiliser de la vraie monnaie pour acheter de la monnaie du jeu. Oui, bon, ok. Quoi? Les microtransactions, quoi. Ok, c'est bon, d'accord, on a compris. Quoi? T'as déjà mis des microtransactions dans le jeu? T'as craqué? Non, non, mais c'est dans l'exemple. J'ai pas dit qu'il y aura des microtransactions. Commence pas, dis donc. Taquin. On a dit non. Oui, je veux pas mettre de microtransactions. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste lu l'exemple. Ah! Donc, merde. Donc du coup, si jamais on reprend le truc, tac 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 tac. Et normalement après ça, jamais j'ai bien vu, après t'as la partie de perte de. Enfin comment tu perds. Les conditions de fête, quoi. Et après on a le art style et music and sound. Putain. Ça Ça. sera rock'n'roll. Ouais, ce sera très rock'n'roll. Moi j'ai entendu que t'avais dit ça. Ça commence à mal parler dans le chat. J'ai entendu que t'avais dit ça. De quoi qu'il y aurait des microtransactions? Alors, Si bon, c'est la partie où je fais genre et je vais me chercher un café, je reviens. Donc tu peux basculer sur le code en attendant. Oui, très bien. Tout de suite. J'arrive. Incroyable transition. Elle marche bien, ces transitions. C'est ouf. Parce qu'il n'y a pas de dialogue dynamique. Non, c'est dans. Putain, c'est vrai qu'il y a... s'il n'y a pas de dialogue dynamique, c'est dans mon dialecte. Ok, bah on va essayer de faire ça alors. Donc on a dit un static buffer que j'ai pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais moi? Oula. Là, du coup, j'essaie de, en fait, de contenir l'ensemble des possibilités de variation d'une carte. Est-ce qu'on aurait de la data? Ce serait mieux. Data, dans data, c'était quoi? Carte. Donc, là, on avait du coup, non, ça c'était que je me suis fait avoir. Donc l'ensemble des variations d'une carte, parce qu'on a les cartes qui peuvent être de type héros ou les cartes de type monstre, ou ability, ou toute autre variation possible. Donc en fait, ce qu'on avait fait jusqu'à présent, c'est qu'on arrivait à charger les informations de nom, de description et de coût. Parce que maintenant, il faut qu'on arrive à charger ces informations-là de manière assez dynamique. J'entends tarte au lieu de carte, j'ai bugué. Oui, en effet, ça devait être bizarre avec des tartes au milieu de tout ça. Du coup, là, ce qu'on aimerait faire, c'est avoir un tableau où on aurait en fait une table d'association. Par exemple, bah, j'ai un héros, je vais appeler la fonction charger un héros, et si j'ai un monstre, je vais appeler la fonction charger un monstre plutôt
plutôt que de faire ça de manière complètement bête et méchante, qui serait je teste si c'est un héros, si c'est pas un héros, je passe au test, si c'est un monstre, si c'est pas un monstre, je passe à l'habilité. Ce qui n'est pas super dynamique, parce que si on veut rajouter un nouveau type de carte, il faut aller voir la fonction, aller rajouter une condition ou un switch selon le type qu'on va utiliser. Ici, on aura juste à rajouter une ligne pour dire, bah voilà, il y a un nouveau type, c'est ça, et il faut appeler cette fonction-là pour le charger. Donc voilà où j'en suis actuellement. Donc là, on va essayer de se faire un tableau qui résume tout ça. Tu bosses sur le jeu en dehors des lives ou du... ou tout... ou je code que pendant... je bosse très peu en dehors des lives. En fait, je bosse, mais sur d'autres trucs. Typiquement, là, ce que j'avais fait principalement... En dehors des lives, c'était de repasser sur les rediffusions pour essayer de virer tous les moments où on se chie dessus et qu'on donne des noms, hein, ce qu'on aimerait éviter de faire. Donc, je bossais là-dessus. Je me suis fait un petit setup Linux hier qui marche pas encore, mais parce que je suis même pas sûr que je pourrais streamer depuis Linux non plus, donc on peut pas vraiment considérer ça comme du code sur le jeu. Dans l'idée, j'aimerais éviter au maximum de devoir trop travailler en dehors des lives. Parce que l'idée, c'est quand même de montrer qu'est-ce que c'est le développement, dans le sens où, même s'il y a un bug chiant, il faut voir que les bugs chiants, ça prend du temps. Et que c'est coûteux, du coup, et que c'est pour ça que des jeux peuvent se retrouver avec des sorties repoussées de 3, 4, 6 mois, et que c'est complètement normal. Et qu'empêcher en fait ce genre de processus, c'est rentrer en conflit direct avec comment un jeu se développe en fait. Donc voilà. Il faut manger dans la vie. Oui, il faut manger dans la vie. Tout à fait. Après, manger que des tartes, c'est pas une bonne idée. Je trouve que ça avance bien pour un truc que vous faites que en live du coup. Ça avance bien, faut le dire très vite, hein, parce que là on est encore très très loin. Parce que du coup là l'idée ce serait qu'on puisse charger au moins les cartes de type héros et de monstres. Une fois qu'on peut les charger, on pourra peut-être espérer les afficher. Elle est cool la fenêtre noire. Quelle fenêtre noire? La fenêtre du jeu? Tu veux voir la fenêtre du jeu? Bref, voilà. Oui. Est-ce que faut que je relance le jeu pour faire ça aussi? Tu m'arranges pas là, le gat-gat. En plus, elle prend 50 ans à venir, la fenêtre du jeu. C'était pour la blague. Ah mais je ne blague pas moi, tu sais. Je déconne pas avec ces conneries-là. Voilà. C'est ça le jeu. Donc non, on peut pas vraiment dire qu'on avance bien. On avancerait bien, on aurait déjà des cartes qui s'affichent. Même pour ça, faut que je me bouge un peu. C'est compliqué. Je garde la fenêtre de jeu comme ça, au moins si on me redemande la fenêtre du jeu, je l'aurai à disposition. N'est-ce pas le GetGat? Je dois revenir. Oui, on a le temps complètement, parce que nous on n'est pas justement bloqué par une sortie ou n'importe quoi. Il faut se dire que dans une boîte de jeux vidéo, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on leur dit oui, mais il faut sortir pour dans 2 ans. Et là, tout de suite, il y a un peu plus de panique qui s'instaure quand on voit qu'on n'avance pas ou que ça avance, mais pas aussi vite que ça le devrait, et qu'on est beaucoup trop loin d'être capable de sortir. Et que par exemple, il y a des éditeurs qui vont dire, bah non, on repousse pas la date de sortie, vous vous débrouillez pour trouver une solution. Et oui, ce stream vire en stream de propagande anti-crunch. J'ai rien contre les céréales.
Alors que là, on peut aller jusqu'à 10 ans large. Bah oui, carrément. Après, si vous voulez suivre un développement sur 10 ans, franchement, vous avez la foi. Hein. Moi, je m'entendrai assez vite. Mais... Hop. Ah, le retour. Je suis là depuis tout à l'heure. Hein. Bah, je sais, mais tu dis rien, alors donc j'étais pas sûr. Parce que tu étais en train de parler, c'était intéressant, c'était important. Ouais, en vrai, moi je parlais pour pas laisser les gens tout seuls, parce que du coup, tant que je parle, j'ai beaucoup de mal à avancer en même temps. Enfin, quand je parle de sujets importants, parce que si je parle de manière assez, comment dire, légère, je peux parler tout en connant, c'est pas très grave. Des sujets importants, je peux pas dire n'importe quoi. Oui, t'as quand même. Parce qu'il y a quand même cette omerta aussi. Bon, là, je pense que ceux qui sont là savent déjà de quoi on parle, mais le monde du jeu vidéo est très fermé, très bouclé en termes de d'informations et tout C'est ça quand qui même filtre. moche à lire le CPP. Franchement, c'est pas le pire. C'est pas le pire, mais c'est clairement pas le plus beau non plus. Ouais. Par contre, on m'a dit 5, mais c'est pas vrai. J'ai 6 items. Super difficile d'alterner. Quel langage te semblerait plus beau à lire? Encore, c'est une affaire de goût, c'est une affaire de normes en plus. C'est ça le pire. C'est ça le pire dans cette histoire. Top 10 des plus beaux langages. Java, c'est beau. Le brain fuck, il est disqualifié direct au gat-gat. Faut pas déconner. Bon, c'est pas mal. Le Java, je dirais pas que c'est beau. Attends. J'en ai pas fait beaucoup, donc j'ai pas un avis très fort là-dessus, mais il me semble que ça ressemble fortement à du C Sharp. En tout cas, en termes de layout. Voilà. C'est un peu dur avec le C++, je pense. Ah, le truc que j'aime pas dans le Java, c'est que tout est dans une classe, tout le temps. Je trouve ça insupportable. Ah, il me semble que c'était comme ça. Je sais pas s'il y a des techniques de haut vol pour faire en sorte qu'on ait des fonctions qui ne soient pas dans une classe et des variables qui ne soient pas dans une classe. Mais... Et aussi, c'est lent du cul, oui. Enfin, ouais, pareil, je sais pas. Enfin, c'est quoi qui est lent? C'est le garbage collector. C'est juste que c'est un langage garbage. Je sais pas s'il y a d'autres trucs qui font que ce soit particulièrement lent. Ah oui, c'est vrai que ça tourne dans une VM. Ouais, non, c'est bon, c'est disqualifié de base. J'avais oublié le principe de VM. Après, qu'est-ce qui fait que c'est beau à voir du coup? Qu'est-ce qui est moche en fait dans le C++? C'est peut-être ça la question. Comment je peux nommer ce buffer? Chelou aussi. J'ai vraiment lancé un débat là. Parce que c'est plus espacé, il y a plus de retour à la ligne. Shakespeare, c'est beau. Tu écris une pièce de théâtre. Ah, c'est pas static buffer, c'est static buffer. Oh, on m'a menti. J'ai vraiment lancé un débat là. Ah, mais le monde des développeurs est tiraillé par les différents langages et qui aime bien coder en quoi et pourquoi.
incroyable, une personne qui est capable de se mettre d'accord. C'est pour ça qu'il y a autant de langage dès qu'il y a quelqu'un. En fait, les développeurs, c'est un peu comme la gauche. Dès qu'ils sont pas d'accord, ils font un nouveau langage. Bah, c'est comme la gauche qui fait un nouveau parti dès qu'ils sont pas d'accord. C'est peut-être tes conventions qui sont moches. Alors, c'est pas mes conventions, donc je prends totalement le life politique. Clairement, on aurait dû mettre le tag politique. Mais c'est pas ma convention, donc je prends totalement le retour. Parce que c'est pas ma faute si c'est moche. Désolé, pas désolé. J'ai pas function view. Function view, ça doit être dans le dialect du coup. Et oui, ça y est, je sais me repérer maintenant. Incroyable. Déjà, il n'y avait pas de majuscule ou presque. Ah, c'est le Snake Case. C'est le Snake Case que t'aimes pas. Tu préfères le Pascal, sûrement. Perso, je préfère le Pascal aussi, mais je sais pas, il y a des gens, ils aiment pas. Alors, après, c'est une affaire de goût, sans. Le Rust Flash aussi. Ouais, mais ça, du coup, c'est l'éditeur. Ça, c'est l'éditeur. Hein. C'est ce que j'ai mis un pack de couleurs dégueulasses. Enfin, dégueulasses. Moi, j'aime bien. Mais. Parce qu'après, pareil, peut-être que sur Visual Studio ou Visual Code, ça serait mieux. Pendant que nous avons un temps de silence, dis-moi, les améliorations de guild. Bon, déjà, on a statué sur un truc. C'est mis dans les decks. T'as un deck directement, amélioration de guild, ou t'as un deck. Je peux regarder ça. Ouais, s'il te plaît. Après ça. Ça, c'est. Si tu me dis que c'est un deck, ce sera un deck, hein, concrètement. Ah, disons que j'aimerais pas que une amélioration de guide ça vaille autant qu'une potion, quoi, tu vois. Ah, bah, de toute façon, ce sera probablement un deck à part. Hein. Ouais, bah, on fait ça un deck à part. De toute façon, j'ai qu'un seul deck en ce moment, donc. Mmh. Ça sert à rien de regarder, mais. Oui, dans l'idée, c'était un deck à part, il me semble. D'accord, merci. J'ai rien contre le C++, j'en ai pas fait beaucoup, à part avec Unreal et encore. J'ai beaucoup de code. Alors, en vrai, le C++ Unreal, c'est encore autre chose, parce que Unreal rajoute une grosse surcouche par-dessus de certaines manières d'amélioration de langage à base d'extensions et de réflexions qui ne sont pas du tout actuellement gérées par le C++. Ça devrait arriver bientôt. Après le blueprint, en vrai, dans Unreal, faut utiliser avec parcimonie, parce que ça a un coût non négligeable. Gedgat, il essaie de nous faire ban en fait. Son De objectif, quoi? c'est de nous faire ban. Gedgat, il essaie de nous faire ban en fait. C'est son objectif. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de problème avec All Cats Are Beautiful? Ouais. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Ah, bon, bah, ça va, on va se faire ban pour ça. Je pensais qu'il avait lâché une grosse saloperie, tu sais. Par Ah des bah, mots interdits. si tu prends les lettres, c'est une Ah! saloperie. Ah!
ouais. Donc Non, bah non. avec un arrêt On tout va peut-être simple, éviter là. Ce serait avec cool. un arrêt simple, on a le droit. Je crois pas qu'on ait le droit. Hein? Non, je parle du code, t'inquiète. Ah, du code, d'accord. Je croyais. Incroyable. Technique de haut vol, ça encore un coup. Pardon. Faire au toto. Plus dans votre guilde. Tac. Putain. Votre guilde, génial. Lol, MDR. Bon, si vous avez des questions, quoi ou est-ce, hein? Ou des remarques sur mon style tout à fait magnifique d'éditeur. Ah, j'aime bien mes couleurs, ok. De toute façon, il est plus qu'on s'était exprès. Donc on s'en fout. On va déjà essayer avec 1. The Gamma Beach. The Gamma Beach. D'ailleurs, ils ont sorti une autre vidéo il n'y a pas longtemps. De qui Comment ça s'appelle? Nexus. Nexus? Ouais. Ils avaient fait une super super remix de The Gamma Beach. Ouais, The ça fait Gamma longtemps ça. Beach. Ouais. The Gamma Beach. Je m'en suis jamais vraiment remis, hein, je dois l'avouer. À ce qui paraît, en plus, The Gamma Beach, c'est une erreur. Une erreur Ah de ouais? traduction. Comment ça? Ciao, c'est Ninja. Bon ciné. Bah, apparemment, en anglais, en fait, ils disent Zogma. Ah ok, à plus c'est Et du Ninja, coup, passe à mon film. c'est un vrai endroit, quoi. Enfin, c'est une vraie coordonnée. Alors que Zegema, ça n'existe pas. Et du coup, ils se sont juste merdés. À ce qui paraît, hein, c'est ce qu'on m'avait dit. Quand j'ai appris ça, j'étais vraiment genre... Ah ouais. Ah ouais, ils ont fait fort sur ce coup-là, quand même. Mais ouais. Ok, donc... ça marcherait. Ça marcherait. Mais sauf que c'est pas écrit Zegma, c'est Zegma. Ouais, en français. Ouais, en français, En ouais, français, c'est c'est. Zegema. Faudrait vraiment que je le regarde ce film en anglais, parce que la dernière fois que je l'avais vu, Ah, c'était. tu répondais à Gedged qui raconte de la merde. Oui. Oui! C'est bien ça! Incroyable! Donc du coup, pa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 , challenge. Le behind the sacré. Je vais pas m'égarer sur ce débat parce que sinon je vais jamais faire avancer le code, ça va être terrible. Non! Terrible. Donc ça, est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça compile déjà? Les vraies questions. Je vais être obligé de fermer ça. Ça ne compile pas, bien sûr. C'était bien attendu, ça.
fou. Allocateur and reference formal parameter. Quoi? Excuse me, what the fuck? Qu'est-ce qui lui va pas là? Pour le coup, on peut le mettre en statique normalement. Un reference format Serait parameter. Ah, mais putain, déjà je retourne pas. Je suis en sale. Je suis en sale. Ah, mais c'est nul. Ce qui est pas d'accord, parce que j'utilise pas les paramètres. Ce serait fort. N'importe quoi. Tac. Dégueulasse cette définition. Ah mais non, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir parce qu'il faut que je retourne un objet. Je suis niqué. Je suis niqué là, ça va pas marcher. Comment je pourrais faire? Chacune des fonctions a hein, un return différent. Tu retournes un Incroyable. variant. Ah, si je retourne un variant. Donc si je le mets dans un variant, ça s'en fout de quitter, ça peut quitter. Ça c'est le deck. Headers. Card descriptor. C'est un variant. Ouais. Par contre, ça va être dégueulasse de retourner ça. Le type def peut-être. Un exemple comme est-ce que on pourrait faire ça? Ce serait légal? Ce serait légal, je pense. Alors, je sais plus le using dans quel type ça se met. Je crois que l'ordre est du coup vachement explicite sur un using. Exact. Using variant est égal à. D'ailleurs, toi, t'as fait des recherches vite fait sur des sons, ou est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont un petit peu inspiré pour le jeu actuel ou pas? Moi? Oui, genre par hasard, t'es tombé sur un visuel ou sur un truc qui t'a un peu inspiré, que tu t'es dit, oh, c'est pas mal, pourquoi pas, tu vois? Pas vraiment, non. Non? Ok.
Non, Ok. bah non, bah vu que bah, dernièrement, en fait, je suis pas forcément tombé sur des trucs qui marchaient avec le style qu'on avait. Ce qu'on avait dit Darkest Dungeon, c'est trop dark. Et il reste des trucs un peu trop Bah, light, on va disons que dire. la DA elle est un peu trop imprégnée, elle est un peu trop originale dans le sens où il y a vraiment Darkest Dungeon qui l'a utilisé, qui en a fait son empreinte et tout ça. Ce Ouais, la serait, un, je DA, mais pense, après, que de la en... copie conforme si on devait même tu vois, reproduire un genre peu. le l'ambiance, l'ambiance est super lourde, quoi. Ouais. Je me suis gouré, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Il y a une chance sur deux. J'ai rien à me foirer. Qu'est-ce que vous voulez? Donc en fait, maintenant, on est ici. On peut renvoyer un carte descripteur content type, carte content type. Ouais, ça reste un, ça reste un optional en fait. Faut que ça reste un optional quand même. C'est presque élégant comme solution. Presque. Ah merde. Tac Ah bah tac tac bravo. tac. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Ben, je sais bien. C'est parfait alors. Le chat est trop calme depuis que ces ninjas et Jude sont partis en Ouais, il n'y a plus les petites pastes. Instagram. Les éléments perturbateurs. Ouais, je dis ça mais en même temps je les aime bien en vrai. Donc. Vu qu'elles sont pas là, je peux me permettre de le dire. J'ose espérer qu'elles regarderont la rediffusion du coup. Non, ça va, tranquille. Les mecs trop sûrs de soi. tic à tic à tic, tac tac, ça c'est bon, ta ta ta. Passe une correcte. Incroyable. Ouais, grave, hein. Sais pas si on parle de la même chose. Je sais pas non plus. Comment ça, c'est trop calme? J'aime pas trop beaucoup ça. Bravo, Gadget. Gadget, c'est référence de film Ouais, venu j'avoue, des années putain. 2000, quoi. Putain, c'est difficile à lire en plus. Je préfère quand c'est un petit peu plus, trop moins calme. Tu les connais par cœur ou t'es obligé d'aller les chercher quand même pour être sûr de la phrase exacte? Parce que je pourrais pas la ressortir celle-là. Sérieusement. le compile. Du coup, il m'emmerde toujours avec ça. Unreferenced for mal parameter. Qu'est-ce que ça dit? Unreferenced for mal parameter. Non, Ouais, ça c'est c'est la juste même. parce que je les utilise pas en fait. Peut-être.
C'est juste parce que je les utilise pas, c'est des warnings. Ok. Mais du coup, au moins, ça veut dire que le reste marche. Du coup, on va loader le héros. Délivrer, blablabla. En fait, ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. On a dit un héros, ça ressemble à quoi? Enders, héros, desk. Un héros, ça a une attaque, une défense. Du coup, en fait, ici on a attaque, attach, tout à fait, de formation professionnelle. Attached. Okay. Donc là, en fait, c'est héros, disque, attaque. Non. Voilà, plop, 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 plop. Si ce n'est pas un int, ouf. Ouf, j'ai fait n'importe quoi. Oh, attention, vous définissez une variable locale mais vous l'utilisez pas. Oui, bah ça, laisse-moi coder 2 minutes. Hop, faire un copier-coller dégueulasse. Mais du coup, j'aurais peut-être pas besoin de l'allocateur. Ce serait bien si j'avais besoin de l'allocateur. Et en même temps, est-ce que... Ouais, non. Non, on va avoir besoin de l'allocateur, donc il peut juste être... Du coup, a priori, on veut juste dire qu'il peut. Qu'est-ce que. Tabernacle. C'est légal. C'est tout à fait légal.
un copier-coller. J'ai vu. J'ai vu le copier-coller. Nous avons vu le copier-coller, mon précieux! Oui, mais j'ai fait un replace, alors j'ai le droit, ok. Non, c'est pas vrai, c'est dans ces cas-là en plus que tu fais le plus d'erreurs, mais. Mais on peut avoir foi, on peut y croire à celui-là. Tout va bien se passer. Trust me, I know what I'm doing. Trust me, I am an engineer. I have no idea what I'm doing. Bon. Du coup, là, normalement, je peux return le hero descriptor avec. Avec tout ce qu'il nous faut. Alors on va faire ça. Hero descriptor. Et là on a un Par molosse. contre. Par contre, je me souviens plus de la nomenclature. T'as pas besoin des parenthèses si tu mets directement les variables dedans en fait. Tu peux genre faire un. Bon, je les ai pas récupérés, je suis un gitan aussi. Pardon, je suis une personne qui voyage souvent. 32. Attaque. Et là, du coup, Eurodef get. Nous avons un problème, monsieur McLean. Attention, vous n'utilisez pas vos variables. Qu'est-ce La chiant. Attaque. J'ai là, je suis arrivé au point de vue du JDD où ça va être la direction artistique. Tu veux que je focus sur toi du coup, comme ça tu pourras Non, me c'est pas ça, montrer c'est les ça. Non, super non, idées que t'as. c'est pas ça, c'est pas ça. On peut en discuter 2 secondes. On peut en discuter 2 secondes. On peut pas. Déjà, on est d'accord que c'est en 2D, on va pas faire les conneries en 3D, hein. Ouais, on en avait déjà discuté. Je pense que Ouais. la 3D, c'est pas Surtout viable. que. Ouais, c'est pas viable, et c'est surtout que. Bah, qui va s'en charger, quoi? Ça aussi. Et. Bah, tu peux apprendre à faire de la 3D si tu veux. C'est Non, pas un non, non. problème. Non, non, ça ira, En ça ira, vrai, ça ira. je crois que le moteur en lui-même supporte pas forcément la 3D. D'accord. Enfin, il y Comme a ça. moyen de faire en sorte que, mais. Non, bon, ça va Je sais aller. pas, On va je faire raconte 2D, c'est peut-être bien de la 2D. merde, mais. Hein? De toute On est façon, pas je obligé préfère de la tout de suite 2D parce partir. que la 3D c'est de la merde. Voilà. Enfin, c'est pas de la Putain. merde, mais. Mais bon, attends, il y a trop de Par jeux contre, on 3D. peut essayer de se raccorder les wagons pour. Non. Pour. Non, mec. Calmez-vous, monsieur, mince! Non, par exemple, en termes de qu'est-ce qu'on. Donc, déjà, oui, pas un truc à Darkest Donjon, genre trop. Ouf. Tu vois, comme Dark Souls ou quoi, genre pas trop. Trop. Dark de chez Dark in the Night. Ce serait pas mal. Ouais, je t'avouerais que moi je veux avoir une expérience un peu dans le terme de feeling. J'aimerais bien une petite expérience, tu vois, vraiment un peu feel good d'aventure, tu vois. Un peu feel good d'aventure de JDR. Tu vois ce que je veux dire? Pas trop dark, mais plus en mode Du coup, Alone bah, in the l'aventure Dark, c'est compagnon. disqualifié parce que c'est trop dark. Hein. Hein? Bah, un peu Nullbug, quoi. Non, après, non, il faut pas que ce soit comique parce que Nullbug, par contre, c'est full À comique. l'aventure, compagnon, c'est Nullbug. Oui, je sais, mais bon. Alone in the Dark. Putain. Vous connaissez ça? 3 étoiles. Connaître quoi? Nullbug ou Alone in the Dark? Alone in Surtout the que Dark, je pense que franchement. beaucoup de gens connaissent. Oui. Nullbug, ouais, ok, c'est peut-être un peu plus de niche, mais quand même, tu nous Oh connais mieux non, que quand ça, le même 4x4. pas. J'ai jamais connu quelqu'un qui connaissait pas Nullbug. Au moins de Oh, nom, si, tu vois. si, par contre, si, y a des gens qui connaissent pas du tout. Sérieux? Moi j'en ai jamais rencontré. Hein. Bah, tous les gens qui sont pas forcément très versés fantasy ou quoi, Nullbug, ça leur parle pas du tout. Ah merde. Oui, non, mais d'accord, ouais, bon, ça veut dire que.
Généralement, ceux qui traînent sur Internet, ils C'était connaissent. un lien vers Guild of Zany, un jeu dev en game jack pack dev. Ah bah non, je ne connais pas. C'est dommage. Guild of Guild Zany. of Zany. Christophe Coyard, Nox. Ah, JNPR, mais. Du coup, ça a été fait dans quel game jam? Oui, bah donc j'y suis bien là. Alors. Non, je vais pas jouer tout de suite, hein. Soyez pas fou. Ah, c'était D'accord. ça le truc. Attends. Partage le lien du coup, parce que sinon. De quoi? Non, j'ai mis le lien parce que sinon, du coup, les gens n'ont pas accès. Ce serait dommage. Alors oui, Du coup, non, je ne connaissais pas GatGat. je connaissais pas non plus, mais j'ai envie de dire oui en termes de présentation, moi j'aime bien. Après le truc c'est que il n'y a qu'une seule personne là. Enfin je veux dire, il n'y a qu'un seul héros J'imagine, j'ai même pas représenté, il regardé. n'y a pas plus quoi. Nous on a quand même 4 héros à rentrer dans le truc. Mais c'est vrai que vu comme ça peut être sympa, ouais. Non, il y a 5 héros. D'accord, ok, bah du coup je dois pas voir les bonnes images parce que. Vous parlez peut-être pas de la même chose, il y a peut-être Si, 5 si, héros je suis sûr. jouables, mais pas 5 héros qui se foutent sur la gueule en même temps. Ouais, peut-être. In the end, you must travel through different levels until you defeat the last boss to the unicorn from your hand and. Voilà, bah c'est ça aussi, GetGut. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que je vois directement que dans le style de carte utilisé, en fait, c'est un peu comme Slay the Spire Bah, l'interface y ressemble en vrai. c'est ça, hein, Fondamentalement, il doit y avoir une inspiration. Après, c'est pas un mal, là, je suis Après, pas en train c'est d'accuser vrai d'être pas que mieux. y a peut-être des trucs. À voir, là. Mais disons que j'ai un peu peur de la redite par contre. Ouais, y a pas de problème, GatGat, merci. C'est pas ça que on n'est pas en train de critiquer, t'inquiète. Non, c'est sympa de ta part, c'est vrai que je connaissais pas du tout, mais bah ça tape pas très loin, hein, Ça tape pas très loin. c'est dans le ton en tout cas. Après, je t'avoue que les Après. screens, je les comprends pas très bien. Je Des comprends quoi? pas très. En fait, je regarde juste les screens pour le moment, j'ai pas lancé le jeu, et je comprends pas très bien comment ça joue. Parce qu'il y a des fois, t'as deux héros en face de toi, enfin deux ennemis, des fois, t'as une gemme verte, je sais pas si du coup, faut la frapper ou quoi. Moi, faudrait le lancer pour voir un peu ce que c'est en fait. Sinon, en termes d'ambiance, alors l'ambiance par contre, c'est pas ça non plus, hein, je veux un perso. Enfin, c'est pas ça que j'aimerais bien que le jeu apporte en termes de visuel. Entendons-nous bien. Et Je suis ben, pas en c'est train de dire quoi que c'est alors? dégueulasse, que c'est moche. Mais. Bah, ça fait trop à plat de couleur, à mon goût. Hein. Trop à plat de couleurs. C'est un style, hein. Je dis juste que dans notre cas à nous, je suis pas chaud pour cette représentation-là. Après, si ça se trouve, faudrait que je peux me tromper et puis après, au bout d'un moment donné, avec certains visuels, ça peut changer. Mais là, comme ça. La présentation de carte, elle est sympa, hein, je trouve. Elle est épurée, elle est simple. Et en vrai, pourquoi pas pour les cartes équipement, tout, d'avoir un truc aussi simple. Parce que de toute façon, après les cartes équipement, je vais pas en faire non plus tout un texte. Je vais clairement me calmer dans ce jeu-là en termes de lore. Hein. Je vais pas en foutre à toutes les cartes. Dans le sens où je vais pas en mettre du tout. Ah bon? Sinon, ça va être noyé. En écrit, je parle, hein, Ah. directement. Ah, je suis grave laxiste là, je suis en train de me faire une pause tranquillou, en train de regarder des trucs. Honteux. C'est On dirait honteux! quand je travaille quoi. C'est ça. Ouais, du coup j'en étais où? J'en étais. Ah, il faut loader les monstres. Et là, ça va être merveilleux parce qu'en fait, un monstre c'est un héros.
Qu'est-ce qui diffère un héros d'un monstre? Les héros ont des capacités, les monstres en ont pas. Pas forcément, en fait. Ils ont Non. des capacités, les monstres. Ils De peuvent en quoi? avoir. Enfin, les boss peuvent avoir des capacités. Oui. Bah on a Mais vu, les il y a aussi les monstres mini-boss. classiques. Il y a les mini-boss et puis il y en a certains, tu sais, tu te souviens pas qu'ils auront des temps de jeu différents, genre tu sais qu'ils vont attaquer tous les deux personnages, enfin tous les deux héros qui auront joué, ils attaquent Oui, quand même. ça on s'en fout parce que fondamentalement, qu'est-ce qui différencie un monstre d'un héros? Rien en fait. Rien au final. Du coup, en fait, les monstres, c'est juste des héros dans un deck différent. Ouais, on peut voir ça comme ça en effet. Du coup, il n'y a plus de monstres. Voilà, les monstres, ça n'existe plus. Ils J'en ai sont des cuté héros à leur 10% manière. du jeu, et puis voilà. Non mais pa parce qu'en vrai, enfin du coup ça peut être bien parce que du coup dans le deck de monstres tu pourras mettre des héros qu'on pourrait jouer mais que dans ce cas-là en fait c'est juste tes ennemis. Dans ce cas-là ça te fait des mini-boss ou des trucs comme ça en vrai. C'est pas complètement déconnant après je pense pas que ce soit Oui. super équilibré Ah, je pense mais pas. ça permet ce genre de choses. Donc en fait on va laisser ça. Qu'on nettoiera ça parce que du coup, on n'a pas de monstre. Parce qu'en fait, du coup, c'est juste une question de dommage, quoi. Ouais. C'est pas Il y a intéressant. juste les boss par contre qui sont différents des. Ils ont quoi de différent, du coup? Bah, ils pop, c'est les seuls qui peuvent popper seulement sur une tuile, et c'est la tuile de boss. Ah, mais ça, du coup, c'est un événement et un deck différent, c'est tout. Ok. C'est pas. Parce qu'en fait, tu peux avoir un événement boss, piocher un boss dans le deck boss. Et puis, du coup, bah c'est un héros, c'est juste un héros qui a trois capacités, par exemple. Non? Enfin, tu me dis hein, si j'oublie des trucs qui sont pas. Ou qui te semblent pas compatibles avec un autre truc, mais. Là, comme ça, en fait, je vois pas de différence fondamentale entre un boss, un héros et un monstre, en fait. À part les valeurs, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Final. Bah c'est bien, ça ira plus vite. Lol. Oh boy. Ability. Ability, y a rien, donc le chargement, voilà. Ça allait vite cette histoire. Ouais, que de la moitié du jeu, il est fini. Ta 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 ta. Je crois que les events, on avait dit qu'on savait pas ce qu'il y avait dedans non plus. D'accord. Tac. Tac tac tac. Ouais, bah voilà en fait. On peut prévoir les loaders de habilité, item et event et guild improvement, mais du coup, ils feront rien. Ils feront rien. Ils ne feront rien. Mais on peut faire ça, on va faire ça. On va faire ça pour être sûr. Comme ça, on pourra même dire, ah, c'est pas encore implémenté, lol. Pourquoi tu fais ça, Bobby? C'est intéressant. C'est toujours intéressant de dire qu'un truc ne fonctionne pas. Load ability. Et j'ai mis majuscule. Ability def. Un bal anglicisme. Je vais mettre tabletop au lieu de jeu de plateau. En vrai, j'ai limite envie. Bah non, du coup, ça trahit ce qu'on était en train de dire. Que Ah. du coup, ça... Parce que en fait, si tu veux, je pensais aux héros et aux mobs. Ouais, quoi? En combat, pourquoi pas les faire ressembler à des pions, tu sais, enfin à des. Tu sais, aux figurines de combat là de jeux de plateau, mais après ça fait 3D, donc du coup c'est chiant. Tu veux dire quoi? Dans termes DA ou dans termes genre que Ouais, ce en fait. soit des figurines in-game? Ça soit peut-être des figurines in-game en fait, tu vois.
sais, pendant la représentation de combat ou quoi, tu vois. Alors oui, Après. ça peut être des figurines, mais du coup c'est vrai qu'en 2D, la figurine ça perd un peu son intérêt. Parce qu'en fait, Alors que enfin... on peut faire un truc très con, c'est-à-dire qu'on peut reproduire ce qu'a fait Darkest Donjon dans le sens où, tu sais, en fait, ce qui se passe, c'est que des images. C'est des poses, ouais. Ouais, Ils c'est des utilisent que poses. des poses, ils utilisent pas de... Enfin, ils ont pas d'animation sprite, je crois. C'est juste des poses et des grossissements, des déplacements de sprite, mais il n'y a pas vraiment d'animation C'est ça, c'est ça. sans Et je sprite. pense que j'ai envie de dire pourquoi pas. Parce qu'en plus de ça, la communauté de modding de Darkest Donjon, en fait, si tu veux, ils ont mis le comment faire, quoi, tu vois. Genre, ils ont expliqué comment faire ce genre de sprite et tout. Donc, en gros, ce Ouais. serait. Enfin, je dis ça dans l'absolu, hein, pas prendre au pied de la lettre. Mais ce serait facile, si tu veux, à reproduire cet effet à moindre coût, tu vois, qui aurait pas. Ce sera plus simple, quoi. Tu sais ce que je veux dire? Bah ouais, ça pour le coup, ça peut être une approche intéressante. Enfin, On peut récupérer en ça fait, par ça le peut être noté dans un coin, histoire de dire, bah voilà, là on pense que, actuellement, on pense que ça pourrait être intéressant de considérer ça. Après, si un jour, par exemple, on a quelqu'un qui est un peu plus versé dans le graphisme, Ouais. bah tu peux dire. Parce que ça peut être marrant, tu vois, de les voir se mettre en position. Sachant qu'en plus de ça, les attaques, en fait, c'est vraiment genre une image fixe avec un petit effet, tu sais, de comme dans les comics, tu vois, ou comme dans les mangas d'ailleurs, où tu sais, tu vois, ils mimiquent la sensation de mouvement d'un objet ou d'une personne, c'est avec des traits ou quoi, tu vois. Ouais. On peut faire ça, tu sais, par exemple, pour donner une impression de mouvement, tout en restant sur l'aspect 2D, en fait, du truc. L'impression de mouvement tout en restant sur l'aspect 2D, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire qu'au lieu de passer en 3D avec un modèle généré, tout ça, à faire les différents sprites de mouvement, en fait. On peut rester sur un côté très à plat, mais avec cet aspect de mouvement, comme quand tu vois, tu lis des comics ou des mangas, où tu vois, tu comprends qu'en gros le personnage a bougé par des. Enfin bref, c'est difficile à expliquer parce que j'ai pas les termes. Mais Je pense voir à peu près ce que tu dis, mais ouais, c'est. ouais, Je sais pas est-ce que. exactement comment ça s'appelle, justement, les. Enfin, c'est Pareil. des genres d'ajouts. Oui. De traits ajoutés, en fait, qui sont inexistants, mais qui donnent l'intention de mouvement, quoi. Ouais, voilà. Comme si tu vois, on voyait visuellement l'air, tu vois, qui avait, c'était un peu courbé à cause du mouvement ou quoi. Enfin, c'est. Bref, je vais arrêter là parce que je pense que je vais plus embrouiller qu'autre chose. Mais, ouais, non, mais on peut réutiliser cette méthode-là, par exemple. Et ça peut être sympa. Après, tu vois dans les aspects là de jeu, les anciens RPG, d'ailleurs que tout le monde a refait après Par avec. contre, en vrai, hésite pas à essayer de choper des screens ou n'importe quoi Ouais, de ces non mais là trucs-là je. pour illustrer. Hein. Oui, mais je brainstorm dans ma tête en fait. En même temps, je le dis à haute voix, comme ça je peux savoir directement ce que t'en penses si t'as. Parce Ça que te. même pour le stream, tu vois, si t'affiches directement, bah voilà, je pense à ça, c'est plus Oui, simple aussi, alors. tu vois, enfin, surtout sur de la recherche visuelle, quoi. Ouais. Tac, 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 tac. En plus, il y a peut-être quelqu'un qui va nous dire, en fait, ça s'appelle comme ça. Ouais. On aura appris un truc, on sera trop content. Alors, Event voilà, tu vois, c'est game. ça, par exemple, auquel je pensais. Tu vois, par exemple, regarde, tu vois. Attends, je vais passer sur ton truc comme ça. Ce sera plus clair. Tac. Ouais. Si là, tu vois, là, le mouvement de la hache. Directement. Tu vois, genre, il y a une mise en avant comme ça, tu as du Ouais, bah déjà personnage. t'as la pose qui est assez importante, hein, qui Voilà, il y a la clairement montre le mouvement. Et pose. après t'as ouais, le résidu visuel de. C'est ça. Moi, je pensais peut-être à ça. Je sais plus comment ça s'appelle ça, putain. Je sais pas non plus. Là, tu vois, on a un autre exemple avec le bandit. Tac. Ça peut être sympa. Et par contre, en termes de disposition des personnages, bon, attends, pas comme ça. Voilà, là, je n'imaginais pas un truc comme ça.
J'imaginais plus, c'est comme dans les anciens RPG, tiens, on va passer. Tiens, RPG Maker Battle, Combat System. On va voir, parce que comme ça j'ai un nom directement. Voilà, tu vois, je pensais plus à un truc comme ça sur le teco, comme ça, tu vois, tu verrais tes personnages. Pourquoi c'est tout flou là? C'est chiant. Enfin bref, est-ce qu'on voit mieux là? C'est de la merde aussi. Mais tu vois, les héros comme ça en fait, mis en. Peut-être pas de ce côté-là, mais tu vois ce que je veux dire? Comme ça en ligne. Hein? Pourquoi? Pour le posing? Pour? Ouais, pour le posing, ouais. Ouais, du coup, en ligne, il y a celui qui doit combattre, enfin, qui doit faire son tour actuellement, il est mis en avant. C'est ça? Ou Ouais. pas du tout? Si, t'as tout à fait, c'est tout à fait ça. Ouais, bon, ce truc-là, en vrai, ça me parle assez bien. D'accord. Donc il y a ça. Quoi d'autre? En Qu'est-ce qu'on plus, doit il me loader semble après? que. Après item, il y a quoi? Il y a event et guide improvement. C'est pour ça que ça va marcher. Parcourir les fichiers locaux. Parcourir les fichiers. Peut-être que j'ai fait un nombre incalculable de fois. Connerie, mais. Tiens, week-end. Par exemple, tu vois, t'as. Les trucs de Darkest Donjon, c'est représenté comme ça. Tu vois. Bon déjà tu vois du coup t'as le. Ça c'est quand ils sont affligés là. Tu vois, t'as le sprite d'attaque. Tu vois, les différents Ouais, t'as essayé sprites. de modder toi. Hein? T'as essayé de modder toi. Je Non, non. crois. Enfin, si, j'ai essayé de modder, mais pas sur celui-là. Hein. Il n'y a aucun truc de mode à ces vanillas. Tu Ça, c'est vois? les dates à venir du coup. Ouais, ça tout est vanilla là. Là C'est tu vois, marrant, t'as les pourquoi elles sont différents tournées à sprites d'attaque. 90 comme ça? Tac, ça c'est quand il est en repos. Là, tu vois, t'as les différentes parties qui s'animent en fait, qui sont Ouais, donc disposées. t'as quand même de l'animation. Et après, genre, voilà. Bon, ça c'est quand il réussit son test de volonté, Parce que mais. du coup, quand il est en idle, en fait, il y a quoi qui bouge? C'est ces objets-là, en fait. En fait, ça bouge. En fait, ça dépend du squelette, je crois, parce qu'en fait, t'as un squelette pour chaque truc. C'est quand même bien évolué comme système. Ouais, mais ça va. Visiblement, le truc, une fois que tu l'as mis, il n'est pas compliqué, visiblement, parce qu'il y a de plus en plus de jeux indés qui commencent à s'intéresser à ce système, parce qu'il est, à ce qui paraît, il est simple. Enfin, voilà. Curieux En de gros, c'est à savoir ça que pourquoi ça il est ressemble pas à peu près sûr. un héros qui bouge comme ça en idle. Il me semble. Une fois que t'as tout codé, ça bah oui, ça c'est classique, hein. Une fois que c'est fait, c'est facile. Hey, une fois que t'as tout fait, c'est bon. Non mais ouais, voilà, c'est. Bam. Bam. C'est. Hop. Ouais, non mais voilà, c'est. En plus, avec ce système-là, un petit peu à l'RPG Maker, en fait, du coup, t'as les points de vie là, tu vois, t'as une espèce de. T'as quand même la fenêtre là, en bas. Bah, comme Final Tu Fantasy, à un moment voudrais une donné, je crois que fenêtre comme c'est à ça? cause de ça. Final Fantasy, les anciens Final Fantasy, c'était comme ça avant, il me semble, non? Ah oui. Ouais. Bah le 9 était comme ça, le 10, je crois qu'il était un peu plus évolué, mais un peu comme ça aussi. Sachant que, bon, de l'autre côté, t'as quand même les trucs des ennemis en face, tu vois, pareil. Après, je sais pas, parce que tu vois, du coup, j'aime bien le fait, tu vois, que tu peux mettre ta souris sur le héros, cliquer sur le héros pour avoir sa. Pour avoir, tu sais, peut-être Ces infos ou quoi? ses infos et tout en plus. Sachant que là, par exemple, cette fenêtre-là pourrait être concernée seulement du héros enfin, qui. À qui ça. Enfin, en gros, c'est à ce héros-là de jouer, en gros, t'as juste ses informations, tu vois. Là, par exemple, on pourrait mettre son nom, ses points de vie, ses points d'attaque, ses points de vie.
Là, après, du coup, tu as le choix, genre attaquer normalement, capacité par exemple, utiliser un objet. Mais avec ton curseur, tu peux quand même aller cliquer sur un ennemi pour voir en fait c'est quoi les stats de l'ennemi. En vrai, tu vois. Genre ses dégâts, si jamais il a une capacité en plus et tout, pour relire la capacité en question, s'il en a une. Ce genre de conneries, tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Enfin voilà, ouais, ce serait peut-être à ça que je pensais. En vrai. Mais ouais, tous ces trucs-là, en vrai, tu peux essayer de choper des images et les foutre en référence, quoi. Pour que ça donne Après, une idée un peu de ce que c'est, quoi. je peux toujours essayer sur Photoshop, tu sais, de détourer la figurine là, par exemple. Tu vois, la mettre en gros d'enlever l'arrière-plan, tu vois, et faire une autre illustration, par exemple, du posing. Enfin, une idée de posing. Très très sympa ce site. Par contre, le rendu est dégueulasse. Hein. Ah ouais, non, vraiment, vraiment. Genre, je sais pas moi, par exemple, jamais tu vois, tu fais. Tiens, oui, les héros. Parce que, ouais, du coup, je les ai sauvegardés au cas où. Tiens, on va prendre le prêtre de Martialus. Tiens. Paf. Voilà. Donc là, il a l'air sympa, mignon, tout le bordel. Hein. Là, tu fais bye. Alors, tu veux ta. Il me montre un XL. Voilà, donc en gros il te montre à peu près à quoi il va ressembler. Là du coup t'as le D20 pour te montrer un peu la taille qu'il va avoir. Ah, la figurine, ouais. Ouais. Et en gros voilà, du coup t'as le visuel comme ça. Et en vrai tu te rends compte très vite qu'en fait ça a été imprimé en 3D. Stylé quand même. Ouais. Par contre si tu fais ça. En gros bon là du coup il te montre soi-disant à quoi il ressemblerait peint. Mais en fait quand tu regardes bien. Quand c'est autoprinté, hein. Quand les couleurs ont été autoprint. Ouais, mais après, du coup, tu peux le prendre en gris et le peindre toi-même, quoi. C'est ça. En fait, je pense que c'est plutôt ça l'idée en vrai qui est plus sympa. Parce que regarde, tu vois déjà d'un coup, tu vois les expressions du visage ou quoi, ils sont plus là. En gros, il vaut mieux le prendre en gris. En gris et peindre, quoi. Ouais, vraiment. Sinon, ça donne pas ce que tu veux. Il est mignon celui-là. Ouais. Bah, en même temps, t'as vu toutes les espèces qu'il y a J'ai pas trop regardé, mais j'avoue qu'il a l'air bien complet quand même. C'est plutôt stylé. Bah, en gros, mec, dans les épis. New. Don't say. En gros, tu vois, t'as les humains. Là. On Qu'est-ce a que quand vous même une savez? bonne chier. C'est celui-là que tu voulais voir. En gros, c'est à ça que ça ressemble. Sachant que derrière, en fait, tu vois, dans Body, tu peux changer ses. Hein, t'as envie qu'il ait des pattes de squelette, tu lui mets les pattes de squelette. Tu peux y aller vraiment. Un peu Godot. Truc qui a rien à voir. Comme pour d'ailleurs le torso, tu peux lui donner d'autres torses si tu veux. En gros, qu'il ait juste une tête de renard, c'est en. Hein, tac. Pattes aussi, tu peux changer. Tu peux aussi faire un des Ah, deux, t'es pas ouais, tu peux obligé. faire main gauche, main droite, dissocier, tout ça, Voilà. c'est cool ça. Dès qu'il y a le link comme ça, tu peux faire Je ça. connaissais pas du tout ça, c'est stylé. T'as aussi le measurement. Donc en gros, il te dit directement en XL, en gros, c'est vrai. Généralement, ça va coûter beaucoup plus cher, mais en gros, sur le terrain, tu vas voir qu'il va être plus grand que ta figurine lambda. C'est pour ça que quand tu vas dans Ah, c'est Species, pour en ça que fait, ça te. t'as le dé à côté normalement pour te dire un peu Ouais. la taille qu'il va avoir. Parce que du coup, comme ça, du coup, tu vois, tu peux quand même te fier à. Le truc, tu peux même aussi changer plein de trucs, hein, c'est-à-dire sa musculature, hein, boum, boum. Hein. Si tu lui donnais du ventre. C'est l'éditeur de personnages de Cyberpunk en fait. Ouais, grave. Faut aussi lui attacher des ailes. Des Des queues. petites. Ah, tu peux aussi lui donner un Amon de Tail. Ah, stylé, tu veux lui en donner plusieurs? Tiens. Et le pédonie, oui, bien sûr.
Voilà, meuf, par exemple. Neuf queues. Stylé. D'ailleurs, attends, il y avait un truc qui m'avait fait marrer. Voilà, c'était ça. Non, c'était pas ça. Ah oui, tu peux aussi l'amputer, hein. Oui, bah oui, Deuxième si, si tu peux gérer bras par bras, a priori, tu peux lui couper un bras. C'est Attends, cool il y avait quand un même, hein. truc. Franchement, c'est Ah bien voilà. complet. Tu pouvais lui donner d'autres paires de bras aussi. Hein. Chi, tu vois, c'est quand même plutôt Stylé. marrant. Et là, dans les clothing, soit tu as des outfits déjà préfaits, ou sinon tu peux y aller point par point. Ouais, tu fais chaque élément les uns après les autres, c'est Ce que stylé. j'ai fait, moi perso. Après, t'as les gears. Là. Tu vois, tout est Une rangé. patte. C'est. Énormément Peut de aller. trucs. Après, t'as aussi le socle. Bon, pour le, enfin, pour ce qu'on a fait, en gros, je leur donnais le socle comme ça pour le donjon. En vrai, tu peux y aller par. Quoi ça? Ah oui, en gros, il est. Ah ouais, je pense que ça, c'est pour les ceux qui veulent se faire. Oh putain! Mais j'avais vu ça avant. Mais nique son père! Les Je l'avais socles. pas vu ça. Oui, ce socle-là où en gros tu. Parce que du coup, ah, mais non, mais quel enfoiré! Pourquoi? Mais rien, parce Parce que que j'ai t'en des as trucs déjà aussi à commandé 40, c'est ça? faire. T'en as Ah oui, déjà je peux. commandé 40, c'est ça? Bah ouais, mais attends, parce que après, bon, du coup, tu. Ah non, là, du coup, tu peux pas utiliser de monture. Mais en vrai, tu peux lui donner une monture. Et là, du coup. Ah, du coup, il a qu'une seule pose comme ça. Ah ouais. Ah, la pose elle est définie par la. Je crois. Parce que, en gros, regarde. Tu peux lui mettre des items en bas. Hein. Notamment, c'est là où j'ai pu mettre le. Tichot. Chill. Un chat Bon, qui check. chill. Et après, t'as les montures, ouais. Peux directement lui mettre une monture. Ouais. Une grosse bike. Tu vois, plutôt marrant, non? Et bon, au-delà de ça, après, tu vois, t'as toutes ces poses-là. Tu vois que tu peux lui donner. Mais ne sois pas effrayé. Ah, donc, du coup, oui, t'as aussi la tête. Hein. Tu vois, et puis tu peux aussi modifier derrière en mode genre. Comme ça. Hein. Après, t'as l'advance où en gros, tu peux prendre. Déjà, les mains, tu peux les modifier ce qu'elles font, quoi. La pause, ouais. Mais en plus de ça, tu vois, tu peux. Pouf, pouf, tu vois. Modifier. Bon, là, c'est la main qui modifie, donc du coup, c'est Ils ont con. de bonnes chelons, un peu. Mais voilà, tu vois, du coup, tu vois, tu peux. Tu peux vraiment modifier la pose comme tu as Plutôt envie. pas mal. Ouais, pareil pour là, le torse, les deux bras et la gueule, quoi. Tac, tac, tac. Non, non. Bon, voilà. Donc c'est plutôt bien foutu. Voilà, si jamais tu as envie d'en faire. Et après, en fait, tu peux sauver les héros en question. Tiens, d'ailleurs, j'avais fait ce druide-là, je t'avais pas montré. Je crois que lui, c'est un demi-elfe que j'ai fait. En. Voilà. Après, tu peux faire des trucs. Oui, parce que après, tu vois, t'as toute la partie color. C'est pas mal. Tout sympa. C'est là où j'ai tout fait. Hein. Des trucs, du coup tu peux les renommer et tout. Enfin bref, c'était marrant, lol. Voilà. Donc du coup, ouais, bah du coup, je sais pas si ça te tente du coup de faire un en 2D. On peut regarder avec un peu plus d'intérêt comment Darkest Dungeon a fait pour l'animation de ses persos en idole et tout. Ça peut être sympa. De se Bah, si marrer. t'es prêt à faire des persos comme ça, ouais. Bah pourquoi pas, hein, j'ai envie de Mais dire. si derrière tu les fais pas, non. Ouais, non, c'est sûr. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, t'as. Comment on appelle? Parce que, en gros, pour un héros, en gros, ça différencie pas si pas des masses de la façon de faire de Darkest Dungeon, parce que du coup. Salut, Artsnop! En Hello gros, Artsnop. parce que en gros tu as la méthode du parce qu'en gros Darkest Dungeon c'est quoi le héros? En gros t'as une image icône
une image de sa fiche perso, là, où en gros t'as ses stats, ses trinkets, tout le bordel, et t'as ses idoles de combat. Donc, si on part de ce principe-là, en fait, on part avec le même kit qu'un héros de Darkest Dungeon. De En termes quoi? de vie. Bah, en gros, on a son. Quand vous allez. Bah, ça va et toi? Ça, très bien, et toi? Parce que du coup, t'as son illustration là, quand tu pioches sur sa fiche perso. Ou sinon, on peut faire un truc tout con. Mon perso, ça va bien. Bah, écoute, stylé. Bah, écoute, nous aussi. Bah, tout Ah de non, parce suite. que. En fait, son illustration, ça peut tellement être en fait son animation. De base. Juste, Oui. elle est statique sur la carte quand tu pioches. C'est sympa comme. Après avoir. Oui, on peut voir après sur la. Attends deux secondes, je regarde. Ok. Faudrait que je check le type avant du coup. On va checker le type ici. Donc en fait si on a bien le type, le content type et qu'on a get HS2 content type is MDF c'est pas un objet on ignore. Et là, ici, il n'est pas d'accord parce que je vais pas passer l'allocateur. Et là, c'est bon. Donc, on a le loader de carte normalement maintenant. Incroyable. Pardon. Heureux!
Ouf, putain, ça a compilé de la première fois. Chaud. Putain, ça a pas craché, incroyable. Incroyable ça. C'est complètement fou. Non mais d'accord, très bien. Pardon, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Non, non, c'est juste que je re-regardais un truc. Bon bah du coup allons-y, allons-y, hein. Et de l'orage. Ah bah ça oui, non, tu vas pas y couper parce que moi je l'ai eu là en début de stream. Tu l'as déjà eu? Ouais. Bon, on s'est pris une pluie de grêle. Là on a l'orage. Ah c'était ce matin la pluie de grêle, tu vois. Ah mais du coup on doit avoir quelques heures de décalage. Ouais, en je même pense. Temps t'es quand même un peu loin l'air de rien. Donc, on va être pas mal là, normalement on va pouvoir avoir loadé les cartes complètement, donc on a les fonctions pour loader les héros, les habilités, les items, les events, les guild improvements, sachant que pour le moment il n'y a que les héros qui sont chargés, parce que les habilités on n'a toujours pas défini ce qu'il y avait dedans, les items on n'a pas défini ce qu'il y avait dedans, les events non plus, les improvements non plus. Donc là on vérifie qu'on a bel et bien. Je vérifie qu'on a bel et bien un content dans la carte, parce que je sais pas si c'est prévu d'avoir des cartes entre guillemets vides. C'est-à-dire qui ont juste un nom, une description, un coup. Mais pas de héros associés, pas d'habilité, pas d'event. Ça me semble un peu bizarre, mais je pense pas. Mais comment je récupère la... C'est invariant. C'est invariant normalement. Le deck on s'en fout. C'est une description. Ok, donc en fait il faut que je... Ah ça c'est bon. Faut que je vérifie qu'il soit pas nul péter en fait. Non, ça c'est pas légal non plus. En vrai, l'aspect général en termes de design... J'aimerais bien quand même, tu vois, m'éloigner de l'aspect trop comics ou manga, tu vois. C'est... En fait, je veux bien entre deux, mais franchement, le manga, je voudrais pas. C'est, ça me paraîtrait, enfin,
Tu vois, j'ai pas l'impression que ça matcherait, et puis de toute façon, je le veux pas. Donc. C'est De ok pour décalage toi, horaire dans t'en l'île veux. de France, oui, c'est vrai. Du coup, Et pas. Je pas pense. manga, pas trop BD, c'est ça? Ouais. Ouais, pas Et du coup, trop. mais du coup, quoi en fait? Pas trop cartoon, quoi. Quand j'entends BD, je veux dire cartoon, en fait. C'est une mauvaise expression, mais. Donc Si voilà. c'est l'apocalypse dehors, bah chez moi, oui. Chez le GatGat, je sais pas. En vrai, t'as dû l'avoir il y a pas très longtemps, GatGat, je pense. North l'a eu ce matin, lui, donc. Là, les nuages sont en train de se dissiper, il refait un peu beau. Il fait encore un peu gris, il y a encore pas mal de flaques par terre, mais. Mais si rien à signaler. Mais t'as rien eu du tout ou c'est déjà passé? C'est bizarre si t'as rien. C'est que tu vas bientôt l'avoir. Tu feras attention, ça va bientôt tomber. Après, tu vas me dire, tu seras peut-être épargné. Ça rend. Mensonge. Il y avait bel et bien un Mensonge, héros ou trahison. pourquoi. Ah oui, mais alors, ça par contre, du coup, on a dit les monstres, ça n'existe plus. Les monstres, ce sont des héros. Maintenant, ouais. Donc ça explose plus par contre, ils trouvent pas le content. Ça, c'est cool. Ouais. Droitsudiste. En vrai, je t'avais dit hein, de toute façon Pratique. que l'aspect visuel, ça allait nous poser problème parce que en vrai, Parce que tu sais pas ce que tu veux. C'est ça? Non? De quoi? C'est parce que tu sais pas ce que tu veux, c'est ça? Ouais. Clairement, oui. Et non, j'ai pas fait de vaudou ou quoi que ce soit. Il faudrait déjà que j'ai moins la flemme si jamais je devais faire ce genre de truc. Vraiment, ça prend du temps de faire ce genre d'incantation rituelique. Peut-être que tu avais prévu à l'avance, on sait pas. Tu ne Truc à nous dis pas retardement, tout. genre, tu sais, tu le fais quand t'as un regain de motivation, tu fais bon, alors pour tel jour, dans 3 ans, faut qu'il pleuve. N'importe quoi. Mais non, mais comme je te disais, tu vois, moi, genre, j'aime bien l'aspect un peu vraiment dessin qui est ressenti dans Darkest Dungeon, mais les proportions ou quoi, et puis même, il y a trop de clones de Darkest Dungeon en termes de style qui ont popé après le succès de Darkest Dungeon, donc j'ai pas envie de en faire partie. Même pour un jeu comme le nôtre, j'ai pas envie que ça parte quand même. J'ai envie quand même, tu vois, qu'il y ait toujours cet aspect de dessin qui ressort, un peu fantasy, un peu sympa, parce que bon, j'ai pas fait non plus un dark fantasy à la base. Le Dark Fairy Tail. Hein? Le Dark Fairy Tail, le retour. Dark Fairy Tail, Donc le on a retour. un type héros, mais on n'a pas. Il leur fait un truc de death sur la vraie vie. Quoi? Hein, quoi? Rain Falls. Ah, compris. Excusez-moi, quoi? Donc on a bien un héros. Hop là. Trash top, pas mal. Le Gat-Gat aussi a un peu un dev en carton quand il simule. Orage Est-ce que stop, tu bah as oui, arrêté l'orage pour classique. autant, Malo? Dis les termes, En dis la vérité. vrai. En vrai, ça ne gronde plus. Mais pour combien de temps? On ne sait pas. En vrai, moi j'hésitais vraiment. Parce que moi j'aimais bien l'aspect jeu de tarot pour les cartes de End of Fate. J'aimais beaucoup cette. Tu vois, de vieilles cartes. Héros trou trou, très bien. Donc tout marche. Donc on passe dans le loader. Donc ce serait le héros loader qui fail. Bah non, il peut pas fail, on aurait eu un ward. Voilà, je sais pas. J'espère que j'arrive pas à me décider. Écoute.
Donc, le héros est bien chargé, mais... Oh. Non mais en fait si je teste s'il est différent nul forcément ça marchera jamais. Je crois que j'ai déjà fait l'erreur en plus. Je m'agace. Je m'agace. T'agaces de façon agacée ou... Non, en ce moment c'est ma connerie préférée de faire ça. Yes. Je fais l'inverse de ce que je dois faire. Je dois tester qu'il est vrai, je vais tester qu'il est faux et me dire bah, c'est bizarre, ça marche pas. Bah oui. Du coup, en fait, ça marchait très bien. Voilà. Donc, le héros est loadé. Juste, on n'affiche pas ses données. Je vais pas pouvoir print le content. Comment ça marche les variants? Re-earthwrap. Comment? Re? Tatatatam. Ah, ils sont où les variants? C'est dans Dialect. Ouais, donc moi je suis toujours autant perdu pour la direction artistique. Non, parce C'est ballot. que vraiment, comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien l'aspect vraiment tarot, carte un peu ancienne de End of Fate 2. Ouais. J'ai vraiment kiffé le visuel. Tu peux en Par montrer contre. hein, si tu veux. Pour Ouais. montrer un peu de quoi il est question pour les gens qui n'ont pas vu le stream à End of Fate. On a... Ouais, voilà ça. Tu vois cet aspect très tarot. Je te passe dessus. Voilà. Pas Ah, c'est vrai sûr. qu'elles ont des designs sympas les cartes d'End of Fate. Cool. Cool. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'il n'y a aucune explication sur les dites cartes, tu vois. Parce qu'il y a pas de texte, il me semble. C'est Non, il y a que. Ouais, il y en a le fait, nom, c'est. quoi. Ouais, t'as le nom, et pour certaines cartes, c'est là où il a été un peu mal foutu, pardon. Il fallait, tu vois, cliquer sur certaines cartes, bah, notamment comme ça, tu vois, quand tu prépares ton aventure, genre t'es pas encore dedans. Voilà, bah, d'ailleurs, on voit mieux comme ça. Tu vois, il y a gain. Et encore, ça veut rien dire. Ouais, parce que ça c'est juste genre ce Ça que veut dire ça quoi? peut apporter ou des trucs comme ça, et puis c'est que par icône et non simple, c'est pas super clair. Ouais. C'est ça, moi, qui m'énerve un peu. Mais... Et après, voilà, on peut toujours améliorer le concept tu vois, en écrivant à côté ce que la carte fait, tu vois. Ça peut être aussi ça, un peu l'aspect un peu tricky shot. En gros, t'as le visuel là, qui est juste le nom de la carte et le visuel, enfin l'illustration fait, et avec l'explication à côté, ça peut être aussi une idée, hein. Ça peut même être très sympa. Non? Je Qu'en sais pas. penses-tu? Je sais pas parce J'aime. que typiquement, ouais, c'est. En fait, le design est sympa, mais je le trouve pas pratique. Oui, non, il est pas du tout pratique. Ça c'est de End of Fate 1 il me semble. Ouais, ça c'est de End of... Ouais, ça doit être le premier parce que c'est pas du tout la même structure. Ouais, mais Après, après c'est le la même. design est le même, quoi. Enfin, C'est strictement le comment même. ça se fait que. Mais ouais, tu vois, par exemple, moi j'adore cet aspect un peu ancienne carte, tarot, tu vois. C'est un truc, je dois avouer, je suis sensible à ça. Après, le truc, c'est que le design en lui-même comment dire, comment l'illustration est faite, c'est indépendant de comment la carte est structurée, en fait.
Ouais. Là, ils ont vraiment pris genre la structure tarot, à savoir t'as une grande image et t'as merde, comment ça s'appelle? Et t'as juste le titre. Alors que nous, du coup, bah en vrai, les cartes, ce serait probablement une image peut-être un peu plus petite avec plus de texte. Ouais, c'est ça. Mais le comment dire, la direction artistique reste la même en fait. Ça peut C'est ça. rester la même en tout cas. Après, est-ce que l'autre question qui est sous-jacente, du coup, c'est est-ce qu'avec un style tarot, tu peux faire retranscrire une image stylée sur une surface plus petite? Là, c'est moins sûr, parce que pour le coup, le tarot, c'est beaucoup dans le détail, il me semble. Ouais, c'est Enfin, ça. la structure de comment c'est dessiné, il me semble que c'est beaucoup dans le détail. Du coup, bah, sur une petite surface, tu auras moins de détails, donc moins l'esprit tarot, quoi. Est-ce que c'est viable? C'est une bonne question. Ouais. C'est pour ça que j'ai hésité à fond. Moi, je serais vraiment prêt, tu vois, à partir dans ce principe-là où tu vois, t'as la carte, puis après, t'as son explication quand tu mets ta souris dessus. Je sais pas. Ou sinon, tu fais une carte qui n'est pas une carte, mais qui est une carte Flyers. Genre en fait, elle s'ouvre en deux et dedans, t'as les explications. Oh, ça peut être sympa. Ça, c'est du concept, on n'a jamais vu ça. C'est où que t'as vu ça, toi? Je sais pas, je viens d'y penser là, je me suis dit, il faut plus de place, bah pourquoi t'ouvres pas la carte en deux? Et après, je me suis dit, ouais, mais tu peux pas le faire en physique, sauf si c'est un Flyers, en fait. Si c'est un Flyers, tu peux. Non, mais Bah, je t'en prie, j'aime. En tu peux gros, noter ouais, ça. non, clair, stylé, Ça génial. règle tous les problèmes. Ah non, mais stylé. En gros, ouais, attends, regarde. En gros, tu vois, t'as le flyers comme ça. En gros, tu vois, t'as le devant de la carte où, genre, tu vois, t'as l'illustration Ouais. du. Bah, l'illustration phare. Par Type exemple, tarot, imaginons quoi. c'est un héros. Tu vois, donc du coup, t'as ça avec son nom en dessous. Tu ouvres la carte. Et en gros, t'as son idole, tu sais, quand il est en combat, avec toutes les informations qu'il y a à côté. Ouais, par exemple, ouais. Et du coup, Oh t'as putain, beaucoup plus de place génial! parce que tu passes d'une carte à en fait trois cartes. Et une Ouais. quatrième qui est la face cachée en fait. Mais du coup, t'as beaucoup plus de place. Ah oui, je suis pour, j'aime, j'adore. Je pose le brevet. Non, ouais, non. Eh, stylé. Vous faites quoi comme projet? Alors, Je Arsenal. te laisse expliquer. Bienvenue. En fait, on est deux personnes qui sont en train de créer un jeu. Alors, c'est un jeu de plateau. Où en gros le délire c'est que chaque joueur représente une guilde. Et en fait, ton but c'est de péter la gueule au boss du donjon avant les autres guildes. Mais vous pouvez vous mettre des bâtons dans les roues et tout ça. Et pour ce faire, en fait, tu envoies 4 héros dans ce donjon. Et toute la mécanique de gameplay c'est soit d'améliorer ta guilde, enfin c'est améliorer ta guilde et améliore aussi tes héros qui vont dans le donjon, donc comme ça du coup tu pourras aussi les équiper, les soigner, il y aura des combats, il y aura des events. D'ailleurs le donjon en fait est construit, soit tu peux choisir de le prendre un pré-construit, ou sinon avec les autres joueurs contre qui tu joues, ça joue de 2 à 4 normalement dans l'idée. Mais imaginons que vous êtes seulement deux. Bah chacun d'entre vous allez avoir des espèces de tuiles que vous allez poser pour construire petit à petit le donjon. Et sur chaque tuile, en fait, il y aura un événement et tout ça. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Donc là, on est au balbutiement du bordel. Entre-temps, on code et en même temps, on fait le GDD. On essaye de... D'ailleurs, au tout début du stream, on a montré à peu près l'idée générale de ce qui se passe quand tu rentres dans le donjon avec ton groupe d'aventuriers. Il y a des aventuriers qui seront vraiment plus faits pour aller dans le donjon. Il y aura aussi une autre mécanique de gameplay où quand un aventurier est dans la guilde... Bah, il peut aussi apporter son effort de guerre, même jamais sur les bandes touches. Par exemple, il y en a un qui va t'aider à améliorer tes revenus quand tu vends un objet, ou réduire des prix, ou soigner les héros qui sont en guilde, ou améliorer les soins. Enfin bref, il y aura tout plein de trucs. Sachant que tous les héros seront nommés comme ça, ils auront leurs petites capacités, les capacités de donjon et la capacité quand ils sont en guilde. Donc voilà, c'est ça qu'on est en train de faire. Désolé, c'est très fouillis, mais j'ai pas fait un résumé promotionnel du bordel déjà.
Tout ça en C++. Alors, c'est là où on va changer, vu qu'on est deux, il y a une bonne raison. C'est pas moi qui code, c'est l'autre. Donc, Laure, si tu veux montrer Yes, ton écran et je vais expliquer la switcher. partie. Ouais, alors du coup, en fait, c'est sans C++, en effet. On utilise une lib qui est développée par des anciens collègues et camarades. Et donc, pourquoi en fait on a décidé de prendre cette lib plutôt qu'un moteur global ou quoi? Et merci pour le follow. Si, c'est super sympa. Pourquoi on a choisi d'utiliser cette solution plutôt qu'un moteur type Unity ou Unreal, c'est que en fait déjà le projet en lui-même est pas forcément compliqué et pas forcément adapté en fait à des moteurs type grosse engine Unity Unreal. Donc en fait ce que la lib nous permet en fait déjà c'est d'être plus orienté sur les données. Donc en fait, on va pouvoir utiliser beaucoup plus de données et produire beaucoup plus de données beaucoup plus facilement. Contrairement aux moteurs qui sont plus basés sur des assets, qui sont basés eux-mêmes sur du code. Et ensuite, une des raisons aussi, c'est que les moteurs susnommés ont une fâcheuse tendance à être très lourds. C'est-à-dire que même pour un projet simple, ils vont débarquer avec des gigas et des gigas de dépendance pour des trucs qu'on n'a pas forcément besoin, genre au pif de la 3D, des moteurs 3D, des moteurs physiques, tout ça qui seront forcément activés, qui vont forcément prendre du temps de processeur en fait, pour rien. Et du coup, bah, on est parti du principe qu'on préfère partir au plus simple. Quitte à devoir itérer dessus et améliorer la chose, que de partir direct trop lourd et au final se retrouver du coup obligé à avoir une minimale config plus grosse pour rien parce qu'on utilise un moteur qui nous permet pas forcément de nous abstraire de la physique ou de la 3D. Et en plus de ça, l'avantage c'est que du coup on peut faire des bêta tests en fait pour la lib en question et trouver s'il y a des bugs, s'il y a des trucs pas faciles à comprendre ou quoi. Et du coup voilà. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas, mais je pense que ça résume bien la situation actuelle. Et donc pour présenter un peu où on en est maintenant, on a donc défini la structure qui est censée avoir les données de carte. Donc pour montrer ça. Data card. Donc ça, c'est typiquement la structure de données qu'on va utiliser. Donc ici, en fait, on va définir une carte Hero Sample, Hero Card Sample. Elle a un nom, une description, un coût. Toutes les cartes ont forcément un nom, une description, un coût. Et celle-là, elle est spécialisée avec un héros qui a une attaque et une défense de 5. Juste en dessous, on a un autre exemple d'une carte qui serait possible, où elle, c'est par contre un monstre. On vient de statuer pendant le stream qu'en fait les monstres ne sont pas différents des héros. Et du coup, en fait, le monstre utilise aussi la data héros, qui par contre, lui, a une attaque et une défense de 1 et de 2. Donc c'est beaucoup plus. Enfin, ça permet du coup de produire des cartes beaucoup plus simplement. Et surtout, elles sont plus modulaires aussi, en fait. Ah oui quand même, je m'y connais pas en C++, mais je sais que c'est complexe niveau codage. Perso j'utilise Unreal mais pour le blueprint. Ouais c'est complexe, ça dépend, hein, ça s'apprend, c'est comme tout. Hein. Le blueprint c'est un peu plus accessible parce que c'est visuel en fait, tu vois un peu mieux les notes que tu utilises, les types que tu vas utiliser et tout ça, mais en fait sous-jacent derrière le blueprint c'est du C++ qui tourne, c'est juste que c'est converti en fait. Et du coup, c'est là où l'avantage d'avoir du C++ aussi, c'est que du coup, tu peux faire tes propres notes blueprint sur Unreal si le souhait te vient. Après, c'est sûr que si tu connais pas du tout la programmation, blueprint c'est une bonne porte d'entrée, c'est assez simple à prendre en main en tout cas. Et du coup, tu fais quoi sur Unreal?
Paf, paf. Du coup, Norse, t'as noté l'idée super géniale de Oui. dépliant. Oui, je l'ai mis dans le GDD pour la DA, dans la direction artistique, pour les cartes, comment ils seraient présentés en player. Là, pour l'instant, c'est juste des notes. De toute façon, il faudra que je reprenne toutes les petites phrases et tout que j'ai déjà mis dans le GDD pour rendre ça plus lisible ou quoi. Et que ce sera en libre accès, à un moment donné. Ce sera en libre lecture, quoi. Dit pour lecture. Je sais pas. Écoute, ça suffit. Je suis en train de développer un jeu de simulation de transport en commun avec une ville qui sera réaliste, mais pas trop. Comment ça réaliste, mais pas trop? Qu'entends-tu par là? Sympa. C'est un peu Voilà. comme le jeu de métro ou pas du tout? Je sais plus comment il s'appelle ce jeu. Sur Android, là, c'est un Pas passe-temps métro. fou, truc. Comment il s'appelle? C'est Mini Métro. Tu dois gérer des lignes de métro, c'est trop drôle. C'est Trop super marrant. difficile. Ah ouais? Ouais, parce qu'en gros, tu dois gérer la satisfaction des gens et du coup, en fait, ils font évoluer la complexité. En fait, ils te rajoutent de plus en plus de stations et en fait, chaque station, je crois qu'elle a un type de passager. D'accord. Enfin, non, en fait, les stations, elles spawnent toutes des passagers et en gros, chaque station a un type qui lui est attitré et les passagers doivent aller vers un type de station, tu vois. Qu'en gros, t'as les stations carrés, les stations triangles, les stations ronds, les stations je sais pas quoi, octogone, n'importe quoi. Et en gros, dès que t'as un triangle, il faut que tu t'amènes le passager triangle à une station triangle. Du coup, faut que tu développes tout ton réseau de métro, comme ça en fait. D'accord, c'est pas C'est ça. super sympa et par contre, c'est très vite prenant et très vite. Très vite, c'est le bordel et tu comprends pourquoi en fait les métros c'est super compliqué. Oui, si, 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 si. Non, mais est-ce que du coup, genre. Putain, le coup du livret, mec, génie. T'es un génie, mec. Ouais, c'était pas mal cette idée-là. Hein. Ouais, non, non, franchement, t'as été gagnément génial. Je T'es suis un pas peu génie. fier. Ah non, non, t'es un génie, toi. Non, parce que franchement, là, le coup, là, tu sais, où toi, tu l'ouvres et tout, comme un flyer, c'est tout, je trouve ça sympa, en vrai. En vrai, tu Bah sais ouais, quoi, je vais ça même piquer. peut. Je vais piquer cette idée pour les JDR. Salon. Tu sais, maintenant, tous mes JDR vont ressembler à ça. Du coup, faut que j'active toutes les fiches de perso de tous mes JDR comme ça. C'est d'habitude De chez toi de tout refaire, de toute façon. quoi? C'est d'habitude chez toi de tout refaire à chaque fois. Toute façon, bon, après. Non, mais attends, hey, il faut toujours souligner quand un copain fait quelque chose de bien. Par exemple, le cadeau d'anniversaire qu'il m'a donné était stylé. Mais est-ce que tu l'as essayé au moins, salaud? Je te dis, je suis encore très frileux dans le sens où, genre, je me dis putain, par quoi je commence? C'est la première fois que je suis devant un jeu où je sais pas par quelle classe je vais commencer, tu Par quel bout commencer? vois. Ah ouais, genre, normalement, je suis toujours là en mode genre, ouais, je prends un paladin ou un guerrier, tu vois. Et je m'en vais Alors, péter sur les boules au chaque dragon, mais alors parcours. là, je suis là en mode genre. Je sais pas. L'hésitation est suprême. Sur chaque parcours, il y aura les alentours de la ville qui seraient bien modélisés et en plus la cam libre pour voir un peu la ville. Après une cam de collision. Est-ce que je ne serais pas tout modélisé? Ah, d'accord. Excuse-moi, moi j'avais Ok, pas vu ok. qu'en fait t'avais répondu à Snap. Putain. Déjà qu'il y a, il y a, le chat est pas non plus inondé de messages. Si jamais je commence déjà à saper les messages, putain, ça va pas le faire. Et du coup, le but, c'est que tu fais tes propres lignes de transport en commun et après, tu peux du coup visiter la ville avec tes lignes. Allez, on inonde. Ah bah Non! vraiment. Faites pas ça. Faites pas ça, J'en on va se faire supplie. virer. Non mais stylé, tu sais, je verrais ça un petit peu à la SimCity, non? Ou c'est moi qui ai mal compris? En gros, t'as une ville où il n'y a pas encore de ligne de métro, c'est toi qui le fais, c'est ça?
Où les lignes sont déjà faites et tout. Non, mais en tout cas, l'idée est cool. C'est vrai qu'après, moi, je suis pas très jeu de simulation dans le sens où j'y joue pas des masses. Bon, c'est peut-être l'un des jeux que je joue le moins, mais c'est quand même cool. C'est les lignes qui sont réelles. Ah, d'accord. Et c'est ça, c'est une... Ah d'accord, c'est pour reproduire les lignes qui sont déjà existantes du coup. Marrant. C'est cool ça. Si jamais tu fais Paris, n'oublie pas les odeurs. Y a Chirac sort de ce camp. C'était Chirac, hein, je crois, le bruit, l'odeur. Ah, je sais même pas, je savais même pas qu'il y avait un président qui avait fait. Non, parce que mec, C'était Chirac. franchement, je suis très content d'être à vélo, hein. J'en peux plus, moi. Chirac Ça, Intensifies. c'est Chirac hein, qui avait dit le bruit et l'odeur. Pomme. Un grand classique. Ah, chichi. Un grand classique du genre. Bien les Alors, on boomers. tombe dans le stream politique, hein, c'est terrible. Ouais, d'ailleurs, on avait dit non. On avait dit on arrête la politique. Ouais, mais Chirac, on a le droit, il est mort. Ni religion, ni débat idéologique ou quoi. Pas le but. Missing quelque chose. Sinon, ça va devenir n'importe quoi. Et on va se faire bannir. Parce que c'est un terrain trop glissant. Entre le bruit et l'odeur. Mais métro parisien. Après, je t'avouerai que j'ai pas testé les autres lignes de métro en France. Les seules lignes de métro que je connais, c'est à Paris. C'est J'avoue chaud. que en métro, ouais, je connais que Paris. En tram, j'avais vu celui de Lyon et celui de Nice. Ah ouais, c'est un celui de Nice, je l'avais fait une fois. Ça se tire la cerise dans le puce. Sentir la cerise dans Parce que le. du coup, Mais eh, t'investiras dans le remarque, ça nous ferait du Nosulis bien. Hein. Rift pour ça. Ouais, mec, je pense que ça nous ferait du bien, hein, parce que les bus et les métros à Paris, je sais pas comment ils se démerdent. Y a pas de ease. C'est ça. Pas du 11 là. Ça, il aime pas. Par contre, il fait regris, j'ai l'impression qu'il va repleuvoir. Super. Génial. C'est stylé. Lol. Mais on est d'accord que ces cartes-là, en gros, toutes ces cartes seraient comme ça ou en mode flyers ou est-ce qu'on fait juste des Bah, je cartes sais pas. ouais. Concrètement, je sais pas. C'était une idée comme ça. Après, faut voir si toutes les cartes ont besoin d'autant de définition ou pas. Non, parce que moi, de mon avis, les seules cartes qui ont besoin de définition, à qui le côté flyers collerait vachement bien, c'est vraiment les héros, les monstres en fait. Mais du coup, pour les events, tu ferais quoi? Parce que si on garde le principe de Events, carte tarot, ça te prend toute une si, carte, tu vois. ouais, non, les events, ouais, non, les events, les flyers, ce serait pas mal. Bah en vrai, d'un côté, tu peux aussi te permettre d'avoir du coup, au niveau du flyer, tu sais, t'as la première page de couverture, là, c'est ta carte tarot. Ouais. La seconde, en fait, c'est par exemple la page lore. Et la Ouais. troisième, c'est la page, non, information jeu, tu vois. Genre, les gens qui ont pas envie de lire le jeu, enfin, pas envie de lire J'allais le lore, ils regardent tout de suite à droite, ils regardent pas à gauche. Ouais, Par non, exemple, ça peut être c'est une norme que tu peux vraiment balayé, instaurer ouais. comme ça, et puis Ah non, au non, bonne idée, moins. bonne idée. Tant que ça suit toujours, tant que c'est consistant, les gens ils savent où regarder et ils sauront à quoi faire quoi. Super, ouais, non, non, vas-y, bien, j'accepte. Sachant que, en tant que gros allumé de tout ce qui est storytelling et lore, ça me va. Comme ça, du coup, j'emmerde moins de monde possible, mais je le fais quand même. Bon, il y en a certains dans le chat qui vont pas le savoir, mais je suis un gros allumé là-dessus. Hein. Faut vraiment pas me laisser l'occasion de placer trop de l'or, sinon j'y vais. J'ouvre les valves, c'est fini. Hein. Ouais, mais du coup, comme ça, au moins, tu vois, t'as une page dédiée, et, tu peux t'amuser sur cette page-là, faire ce que Ouais. tu La légende raconte qu'ils ont fait ça juste pour que je ferme ma gueule. veux. Je sois content. Cannot convert this from cost. Ah. Qu'est-ce qui me fait chier avec le const? Est-ce que la carte est const? C'est pas ça, hein. Bah, je pense pas que ce soit ça. C'est juste que le contains n'est pas const, c'est ça? Merde. Contains n'est pas const. Ah C'est une putain, de c'est beau ça. C'est beau ça. développeur Putain.
Hein? Parce qu'en gros, les méthodes constes. En fait, quand on a un objet constant, c'est qu'on dit clairement au compilo, attention, cet objet-là, en fait, j'ai principalement besoin de lire ces informations, mais à aucun moment je vais les modifier. Alors là, typiquement, quand on parcourt toutes les cartes pour afficher les cartes qu'on a trouvées, on sait qu'on va pas les utiliser, donc on sait qu'elles sont définies, enfin, elles sont constes par définition. Sauf qu'en fait, sur un objet de type const, tu peux appeler que les méthodes qui sont constes. Parce que les méthodes qui sont constes, elles disent clairement, cette méthode, elle va pas altérer le statut de l'objet. Donc vous pouvez l'appeler si elle est const, il n'y a pas de problème. Pour toutes les autres méthodes qui sont pas constes, bah du coup, quand ton objet est const, t'as pas le droit de les appeler. Donc là, en fait, on a un objet qui, fondamentalement, est juste, attention, je peux être de 5 types différents. Du coup, on lui demande, bah, est-ce que t'es de ce type-là? On s'attend à ce que ce serait constant, vu qu'a priori on lui demande juste une information sans modifier son état. Mais apparemment c'est pas le cas. Du coup on est niqué. Attends, du coup ça veut dire qu'il faut que je fasse sauter le const pour ça. Alors, ça C'est moche. va C'est moche, monsieur. Est-ce qu'il y a une raison à ce qu'il soit pas const? Peut-être une raison à ce qu'il soit pas const. Tac, tac, tac. Pouf, pouf. Voilà. Attends, je vais allumer la lumière parce que d'un coup, mec, c'est devenu dinguerie. Ouais, c'est l'orage qui revient, ça. Ouais, grave. J'ai l'impression qu'en fait, c'est moi. Je vais me retaper un orage, je sais pas. Et ne faites pas la musique de Claude François, par pitié, c'est un homme qui est mort depuis des années. De quoi? Je connais même pas ce même, c'est pour te dire. Et ça repart, et ça revient. Ah, ça s'en va et ça revient. Bien. Ça s'en va et ça revient. Ça fait Je tout petit. sais même pas pourquoi on a eu ce même, sachant que plus de la moitié d'entre nous n'était même pas né quand le mec est mort, quoi. Ah, elle est entraînante comme chanson, on peut pas le nier ça. Alors, je vais te dire la vérité, mec, j'ai jamais pu blairer les chansons de Claude François. Ever. Quand j'étais gamin, quand mes parents les passaient ou quoi, j'étais là en mode genre. Mais vraiment, hein. Bah après ouais, tu peux ne pas aimer, mais elle reste entraînante. Ouais, Enfin, je ouais, ouais. trouve, perso. Oh, c'est dégueulasse. J'ai complètement chié mon layout. Mais ça marche. On affiche le héros maintenant. Amélioration de guilde et équipement. Oui, monseigneur! Voilà. Par contre, les potions de vie. Oh, mec, le lore sur les potions de vie, tu. Je vais te ressortir mes années de recherche historique sur Sur l'alchimie. la chimie qui était utilisée pour les soins. C'est marrant, ça j'aime bien, moi ça me fait triper ce truc-là. Deux, trois petits symboles alchimiques là. C'est en mode là. Gros casse-couille. Mec, il flex. Ouais, je vais Mec, il flexer. Non mais mec, flex. généralement j'ai tendance à flexer des fois pour rien, non. Ah bah oui, Franchement. toi. Clairement. Ouais. C'est presque exactement ce que je voulais. Ouais, presque exactement ce que. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question. Du coup, maintenant, vu que c'est en 2D, comment on représenterait Maintenant que c'est en ton pion? 2D. De quoi? Maintenant que c'est en 2D. J'ai Oui, toujours dit que c'était en 2D. non, mais c'est l'expression, on commence pas. Mais par exemple, comment on pourrait. Est-ce que tu as une idée? Parce que, bon, moi, j'ai peut-être deux, trois suppositions, mais comment on pourrait représenter le jeton, tu sais, qui te représente sur les tuiles, en fait, qui représente le groupe. Ton groupe de héros sur la tuile. Bah, en fait, le truc, c'est que je sais plus ce qu'on avait dit. Genre, est-ce que ton groupe il peut se splitter? Non. Parce qu'à un moment, au tout début, il me semble qu'on avait dit ouais, tu peux splitter, mais je me suis peut-être gouré. Non, tu t'es gouré, ça a jamais été question de ça parce que je Si savais on que sinon peut c'était pas exclu. splitter. Non, sinon ce serait casse-gueule. Sinon ce serait un autre jeu, hein, clairement. Ah, bah, c'est plus compliqué, ouais. Alors, parce que là, par exemple, si on reprend l'exemple des gobelins. T'as un héros tout seul qui tombe sur les gobelins, il se fait défoncer en fait, c'est juste la mort. Ouais, du coup, voilà, il y a un risque, tu vois. Mais en même temps, tu vois, si tu splits. Par exemple, si tu splits avec un voleur qui a une haute chance de fuir,
tu couvres plus de terrain, tu vois. Du coup, potentiellement, tu trouves la clé plus rapidement. Ça pourrait être un gameplay, mais si on dit que non, ça ne marche pas comme ça ne marche pas comme ça, et puis voilà, hein, pas de Non soucis. mais C'est vrai s'il y en a que encore il me deux semblait pour faire que. ça, on va se contenter du groupe qui se bouge ensemble, qui stick together, comme dans un JDR. Bah après, bah sinon, bah le pion, tu peux le représenter de la façon dont tu veux, en vrai. Je comprends pas pourquoi il y a deux espaces là. Parce que soit on peut Et là. prendre une icône. Par exemple, le symbole de la guilde. Après, je trouve que ça fait un peu pauvre. Ah bah ça y est, voilà, putain, ça y est, il pleut encore. Merde. Ah bah Moi qui voilà, me... tu vois, c'est l'orage qui revient. Mais oui, mais moi je voulais aller prendre des pizzas. Bah ça va, t'as encore le temps. Ah bah ça Bah va, en fait, il est non. 17h40, on a fini le chargement de toutes les données de cartes. Donc c'est... Encore une fois, on arrive à peu près à atterrir comme il faut. Que ça, je peux finir avec juste les erreurs cosmétiques que j'ai introduites, apparemment. Je comprends pas. En effet, Bon, sachant que c'est... du coup, le prochain objectif après le chargement de cartes, ce sera d'afficher les cartes. Ce serait bien. Ce serait Ouais. bien d'avoir un truc qui dit voilà, telle carte. Ouais, il faudrait que je regarde aussi, du coup, pour le chargement de ressources, de type image. J'essaierai de regarder ça un peu off-stream quand même pour savoir de quoi je parle avant de faire un stream dessus. Donc là, on a Monster Simple Machine. Ah, mais c'est ce que le print fait un backslash n en lui-même. Mais oui. Mais oui, le salaud. Ah oui, c'est clair. Un backslash n, c'est le retour à la ligne. C'est pour ça qu'il y avait trop de lignes, parce qu'il en rajoute forcément à la fin. C'est pour ça que j'ai cassé l'affichage en coupant en deux prints différents. Eh oui, mais si je recompile pas. Ah, je m'agace. Bah oui, c'est clair. Voilà, ça marche. On a l'affichage de... Affichage de carte. Je suis pas fan, faudrait trouver un meilleur debug, je pense. Ouais, je suis en train de voir, mais ça C'est va. pas Hein. joli, c'est pas joli. Je pense C'est qu'on peut beau, les quatre virer gattes. ça. Là, du coup, il nous reste 17 minutes avant la fin du live. Moi, je vais m'arrêter là, je pense, parce que concrètement, je suis sur un état stable. D'accord. Donc on va éviter de tout niquer. Ouais, voilà, on va faire ça. Ça Ah, moi, je suis bon au niveau GDD. va En vrai, être la mieux direction là-dessus. artistique, il faudrait que je creuse beaucoup plus. À repasser sur toi, parce que moi, il n'y a plus rien à voir. Bah, moi, je t'avouerais que... Bah, direction artistique, moi, j'ai pas vu ce que t'avais mis. Je pense que les gens n'ont pas vu ce que t'avais mis non plus, du coup. Non, mais là, j'ai fait que des notes, hein. Il faut pas le prendre comme si c'était écrit ad vitam aeternam dans la Ouais, mais pierre. c'est intéressant. C'est plus des notes à moi-même que je devrais modifier par derrière. C'est juste... J'ai noté ce qui me passait dans la tête. Voilà, ça. Bon, en vrai, on commence à mieux s'en sortir avec la lib. Enfin, moi, j'ai l'impression de trouver un peu mieux mes repères et à retrouver les objets qu'il me faut et comment ça marche. Et la philosophie qu'il y a derrière, c'est plutôt cool. Status. Fixe. Stylé. Très bien. Ou autre. En gros, moi ce que... Ah, je sais pas. Pardon, très vite. Tac, tac. Tac. Là, tu vois, genre, il bouge comme ça, en fait. L'orchestre. Vraiment comme ça, tu vois, que je voyais à la limite, tu vois, le mouvement du truc. Stylé.
Après, du coup, j'imagine qu'en fait, leur idle, c'est la même pour. Tu dois avoir différents squelettes qui sont juste bah, comment tu vas agencer les mains. Et du coup, juste en fait, en fonction de ça, du coup. Voilà, c'est Du un coup, truc comme ça, en comment fait, ça. tu peux mettre des mains différentes et tout ça pour chaque perso, mais c'est la même animation qui joue derrière, j'imagine. Ouais, exact. Ah, ça y est. Ah, ça y est, c'est le déluge chez moi. Bah voilà, je t'avais dit que t'allais finir par te le prendre dessus. C'était Mange sûr. Donc parce que là, ah ouais tu te manges quoi? T'as la grêle du coup? ah bah vu les flaques là ouais c'est typiquement de la grêle ça enfin au niveau tu sais des comment on appelle ça d'ailleurs les... quand tu sais ça bouge là non bref mais ouais c'est un peu ce visuel là que je viserais perso si c'est possible. Non, juste plus. Ding 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 ding. J'aime bien le barbe, alors qu'ils ont On jamais fait. pourrait, on pourrait. Faudrait voir en vrai. Ça, c'est très secondaire en vrai. Stylé comme animation, ça. C'est pareil, Ah ça fonctionne de la même manière. ouais. Ouais, Enfin, c'est. c'est juste qu'à un moment, tu passes d'un sprite à l'autre avec d'un squelette à l'autre, non? Là, ouais, le squelette est statique Parce que sur là, en le. gros, on voit que le premier sprite, il grossit une fois. Ouais. Et ensuite, t'as l'autre qui apparaît en fade et pareil, il grossit. Je vais devoir sortir faire des courses. Ouais, c'est pour ça qu'on a fait les courses ce matin, nous. On vous a bien Bon appétit, niqué. Mio. Et ouais, Gad, ça va être J'ai la envie merde. d'aller acheter une pizza. Bon, bah, bonne soirée. Bonne soirée. De toute façon, Et on bon aura appétit fini si tu veux dans quoi acheter une dans 30 pizza. minutes. C'est nord ça aussi, avec ces pizzas. Ouais, mais moi, il me faut une pizza par semaine, sinon. C'est la. J'ai pas eu la flemme, je me suis posé la question de est-ce qu'on avait vraiment le temps. On a eu le temps, mais c'était serré quand même. Pas l'impression que j'ai. Tu te trompes sur l'impression, c'est tout. Bah du coup, moi c'est bon, je vais commit mes modifs, je pense. Ouais, faut. Je relancerai bien le débat de est-ce qu'on passe en open source. Moi, je passerai bien en open source en vrai. Faut juste que je vois les histoires de licence. Ouais, ok. Parce que du coup, faut qu'on ait une licence compatible avec celle des camarades. Et après ça, on pourrait passer le code en open source. Vu comment c'est compliqué à compiler, de toute façon, personne risquerait de nous voler le projet. Excellent. Écoute, moi, tout ce qui est parti, cette partie-là, franchement, je te laisse complètement gérer en autodidacte. Puis après, c'est vrai que off-stream, j'en discutais avec GetGad et je me disais, bah, en fait, enfin, par définition, l'open source, ça dit pas que tu peux plus vendre ton projet. Ça dit juste que, en fait, n'importe qui peut l'avoir gratuitement et le compiler chez lui. Sauf que du coup, toi, ce que tu vends, si tu vends le projet, tu vends pas les sources, mais tu vends le principe de compilation et le temps que tu as passé, machin et tout ça. Donc c'est encore légal en fait. T'as complètement le droit de faire ça. Par contre, je crois que du coup, quelqu'un d'autre a le droit de le faire aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est pas très grave quoi. Je pense. Bah écoute, bah du coup on peut passer en just chatting, je pense. En scène. Ouais, alors mon just chatting c'est pareil donc il y a toujours la fenêtre et tout ça donc c'est pas forcément. Ouais. Enfin, je peux le passer hein, mais du coup ce sera ma fenêtre qui sera en full screen Non, parce que tu sais, j'en ai une, mais moi, quand c'est moi qui stream, je sais pas si t'es avec vous. quoi. Ouais, j'avais vu mais je l'ai. Ah, j'ai un chatting no screen. Bah voilà. C'est C'est quoi? just chatting. D'accord, Ouais, c'est juste qu'il s'appelle chatting no screen, je sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça. ok. Pourquoi pas après tout. Tout cas, on a avancé quand même. Ouais, moi je trouve qu'on a bien avancé. On a avancé, ouais. Personnellement, je trouve que j'ai bien avancé en tout cas sur le code. Je suis content, on a tout le loading en fait des cartes, donc maintenant on n'aura plus trop à se soucier de ça.
Il y a juste bah, si la structure des cartes change, ce qui va être le cas très rapidement, parce que si on rajoute par exemple une texture ou n'importe quoi, bah faudra la rajouter dans les datas. Donc si ça change, mais maintenant en fait on a pas mal de code sample qui permettent de dire bah, c'est comme ça qu'on charge les données, donc ça se fera beaucoup plus rapidement, hein. Même là le chargement a été assez vite. Ce qui a été long, c'est de faire en sorte que ça soit dynamique et qu'on puisse on puisse charger tous les types de cartes en fait, parce que maintenant les cartes peuvent typer héros, event, machin, tout ça. Donc ça c'est fait, ça nous fera gagner pas mal de temps plus tard. Sachant que si on doit rajouter un type, ça a un coût quasiment nul. Ça c'est Ouais. cool. Puis voilà, ça nous fait une bonne base quand même. Ouais, non, c'est cool. C'est cool. Du Toi, de ton coup. côté, t'as bien avancé aussi, je crois. Ouais, moi j'ai bien avancé. Parce que moi j'ai pu, du coup, déjà, on a pu montrer visuellement, vite fait, comment on percevait. Petit tour dans le donjon, qui est certes c'était pas en boucle fermée, c'est-à-dire du départ jusqu'à l'arrivée contre le boss et les combats, enfin toutes les sortes de combats et tout. On a pu montrer au moins un exemple d'événement. On a pu montrer un exemple d'événement de sabotage de notre guilde, dans la façon de voler des pièces d'or, tu vois, directement. Mais ça peut prendre d'autres formes, comme notamment j'avais pensé à un voleur qui lui va lâcher des trappes, tu vois, derrière lui. Donc c'est-à-dire qu'en gros il va. En gros, ça va trigger directement, tu vois, un petit piège pour l'autre groupe qui passerait derrière, tu vois, le groupe de ton groupe de guide, quoi. On a Yep. pu voir, du coup, comment on voyait à peu près les tours de combat, les actions que tu pouvais faire, les modifications de statistiques grâce à l'équipement de l'équipe débutant. Non, mais je pense qu'il y a. En plus de ça, on a avancé aussi dans l'idée, grâce à toi. Flyers là qui peut être vachement plus sympa et peut-être visuellement un peu plus cool. On a avancé sur le design des cartes, et ça c'est bien parce qu'en vrai on était quand même face à un problème Ah, majeur parce que chiant. on ouais parce Vraiment que en chiant. fait, ça les le design de cartes en fait, c'est les gens pensent que c'est simple, mais en vrai quand tu regardes bien, il y a beaucoup de cartes en fait, c'est juste le même principe, le même schéma en C'est des fait de comment. reprises, hein. De toute façon, tu regardes, bah, enfin, c'est con, hein, mais tu regardes les cartes Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, machin et tout ça, elles ont toutes le même template. C'est parce que c'est un template qui marche, il marche depuis la nuit des temps. Tant que t'as pas trop d'informations, il marche. Et même quand tu commences à avoir quelques informations, Magic le fait, hein, avec toutes ces altérations, que ce soit le vol, le piétinement, machin et tout ça, bah en fait on se rend vite compte qu'en fait bah tu peux pas stocker beaucoup d'informations sur la carte. Parce que je crois que t'as des éditions de Magic où t'as la carte genre vol, il te marque ne peut pas être bloquée que par les créatures qui ont aussi vol. Mais dans ce cas-là, ta carte elle a que vol. Et elle peut pas avoir vol piétinement ou un truc comme ça. Et dès que t'arrives dans des cartes qui sont plus complexes de ce type-là, t'es obligé d'avoir le bouquin à côté de toi pour dire bah en fait ça c'est ça, double initiative c'est ça, machin tout ça. C'est vite Et perso, compliqué quoi. ouais, c'est facile de faire ci et ça sans se rendre compte du temps de travail à réaliser. Oui, c'est ça, Arsnap. Ouais, c'est Parce assez que courant, hein. c'est très courant, mais d'ailleurs, enfin, c'est peut-être les reproches. Qui sont faciles à faire et tout, souvent sur des designs ou sur des mécaniques de gameplay et tout. Mais là, par exemple, pour les cartes, le coup du Flyers, oui, ok, d'accord, on s'éloigne des cartes dans le format qu'on entend quand on Dans ce qu'on pense à imagine cartes. quand on dit carte. Ouais. Ouais, c'est ça, mais en même temps, ça nous permet aussi d'être un peu plus dans l'immersion de l'univers, mais en même temps, ça nous permet aussi de stocker plus d'informations, parce qu'on a bien vu Et au puis tout début d'abord, du qui stream. c'est qui a dit que les cartes, ça devait forcément avoir que deux faces, hein? C'est ça aussi, encore qu'une face utilisable, parce que le Oui, dos l'autre face sert à rien la plupart du temps. voilà, c'est juste pour pas que ça soit transparent et que le mec voit pas ce qu'il y a écrit dessus. Mais non, non, en vrai, ça nous a avancé là-dessus, parce que du coup, ça nous offre déjà une plus grosse liberté en termes d'explication pour que les informations soient complètement lisibles et compréhensibles. En gros, on n'aura pas de problème à On sera pas transmettre. limité par l'espace, quoi. Ouais. C'est ça Et moi qui est je trouve que c'est important. déjà énorme parce que vraiment il y avait ce côté vraiment comme tu disais qui revenait très souvent dans les discussions, c'est ouais Ouais, alors comment on affiche ça?
Voilà, c'est parce Pour que. rebondir en vrai sur ce que tu disais, Arsnop, justement, en fait, le but du stream, c'est aussi de montrer, bah voilà, vous pensez peut-être que c'est simple de faire telle mécanique de jeu. Bah voilà, en fait, ça prend autant de temps, ça prend autant d'heures, ça te prend autant de bugs que tu vas te manger, machin, tout ça. Typiquement, bah justement, là, on est tombé sur le cas de, bah, c'est facile de designer des cartes. Bah non, en fait, ça fait trois streams qu'on se dit, ouais, mais en fait, il y a beaucoup d'informations à mettre dessus. Ça. En plus, tu sais, ça rejoint complètement, comme tu disais, Hulor, parce que vu que Arsnop est là, on va peut-être t'expliquer si jamais t'es jamais venu par chez nous. Mais en gros, le but de cette chaîne, en fait, c'est vraiment de montrer toutes les phases que les gens se tapent quand on fait un jeu. Et on a pris volontairement un jeu simple à faire, notamment pour montrer à ceux qui voudraient se lancer dans le jeu, enfin, dans la conception de jeu, ou qui sont juste intéressés par comment c'est fait derrière, quoi. Toutes les phases qu'on va se taper, genre les phases de doute, les phases de oh, putain, il y a ça aussi, ou juste les phases de réussite et tout ça, enfin, de voir à peu près l'envers du décor. Et il y a aussi un binôme là qui se fait, c'est-à-dire que moi je suis celui des deux qui ne travaille pas du tout dans l'univers du jeu vidéo. Or, Hulor, celui qui code, c'est lui par contre est professionnel dans le monde du jeu vidéo. Donc il y a ça aussi, du coup comme ça on peut expliquer aussi certains termes, on peut expliquer aussi certaines méthodologies, et c'est un peu ça en fait le but de ce stream. Moi par exemple je modélise une gare qui paraît simple, mais en vrai ça va me prendre voire un mois ou plusieurs mois pour le rendre assez réaliste de l'extérieur. Ouais voilà. Surtout la modée, hein. La modée c'est super long, ça prend tellement de temps. C'est pour ça qu'on part du principe que le jeu sera pour en 3D, hein, parce que ça a un coût monstrueux la modélisation, enfin je trouve personnellement. Oui. Mais il y a aussi, d'ailleurs, juste pour finir, ce que tu disais, c'est aussi pour rejoindre, c'est une transition. Le truc, c'est qu'on fait volontairement un jeu simple. Dans le sens où on n'est pas en train de faire un open world, on n'est pas en train de faire un truc en méga 3D, Génial in the Night, genre tu peux faire plein de trucs. Parce que on veut aussi montrer que même quand c'est simple, en fait, il faut investir du temps. Tu vas rencontrer des problèmes. En termes de gestion de temps ou en termes de gestion de ressources ou quoi que ce soit. Et que, voilà, c'est pas aussi simple que de cliquer sur un bouton et ça y est, ton jeu s'est fait magiquement. Je sais que ça répète à peu près tous les tutos sur internet de faites votre jeu en trois clics, lol MDR. Alors en fait, non, vous pourrez pas, mais restez quand même avec moi, ma chaîne est intéressante. C'est plus vraiment de montrer le pas à pas, mais avec un exemple concret. Donc dans ce cas-là, le jeu qu'on est en train de faire. Sachant qu'on s'est engagé à le finir, on dit bien finir et pas sortir, pas forcément. Et d'ailleurs, sur notre chaîne YouTube, il y a la VOD du premier live. On a une espèce de. Merde, comment on appelle ça? De slideshow. Complètement pété du cul, mais c'est marrant. Parce que. Voilà, on se prend pas au sérieux aussi. Mais. Et on a sorti peut-être des stock images, mais complètement sortis en On essaie livre de droit. trouver les stock images les moins cohérentes avec ce qu'on disait. Donc ça, Imaginez ce que c'est. c'était pas mal. Mais voilà, c'est aussi le gros but de cette chaîne. Enfin, du moins, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais on essaie quand même de le faire bien, attention, hein. On essaie d'être sérieux. Enfin bon. Bah écoute, l'heure fatidique, 17h59, Hulor, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je viens juste de réaliser que je peux faire des trucs stylés en fait dans mes messages de commit, donc là où je vais stocker les changements qu'on fait pendant les lives et tout ça. Donc en fait on a un arbre de modifications sur le repository que je mettrai en public prochainement. Et en D'accord. fait dans ces messages de commit, je vais pouvoir mettre les épisodes. Donc je Nice. montrerai en fait les épisodes dans chacun des modifs qu'on va faire. Comme ça, ce sera plus facile de s'y repérer, et notamment pour les gens s'ils veulent voir, par exemple, s'ils voient un commit en mode ah bah tiens, celui-là j'ai pas bien compris ce qu'il faisait, ils pourront revenir directement sur l'épisode correspondant pour voir un peu plus en détail si on explique la partie que la personne n'a pas compris. Ah, sympa. C'est Et petit commentaire, parce que je viens d'y penser juste là en faisant mon c'est petit cool. nettoyage de fin de stream. Et merci à Snop. Et il faut savoir que quand on fait en fait les Craft and Games, là où en gros on est en train de mettre la main dans le cambouis,
C'est surtout le samedi à 4, de 14h à 18h qu'on les fait. Donc si jamais un samedi dans cette plage horaire t'as envie de venir voir, t'es complètement bien invité. On répond à toutes les questions qu'on peut répondre. C'est-à-dire tout. Carrément. Ça fait plaisir d'avoir des questions aussi. Ouais, on est vraiment friands des questions, parce que en plus de ça nous permet de voir en fait ce à quoi les gens sont intéressés en fait dans ce genre de démarche-là. Il y a aussi le fait que on essaie d'être régulier, on cache rien, hein, c'est-à-dire que on montre vraiment ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de tricher à derrière, à faire des trucs en off-stream ou à mentir sur certains trucs, tout est en libre access. Et voilà. Donc t'es le bienvenu ou la bienvenue quand tu veux. Donc voilà. Bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là du coup. Y a-t-il point? Oui, carrément. Je viens de voir qu'en fait, on n'avait pas de catégorie, je crois, sur ce stream. On n'avait pas de catégorie. Ah, c'est dommage. Attends, Ouais, heureusement j'ai qu'on fait. l'impression qu'il n'y avait pas de catégorie. J'ai dû me merder sur le setup. Mais c'est pas grave, de toute façon, on a fini donc. Ouais, c'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois parce qu'on est tout nouveau aussi en streaming. Donc bon, ça explique les micros, peut-être pas de bonne C'est qualité. compliqué. Hein. On apprend, mais on va y arriver. Clairement. Bon, bah, en tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce live, d'avoir regardé, d'avoir lurké ou juste d'avoir posé des questions comme Arsnop et tant d'autres. Et pour ma part, moi, je vous dis bah, mercredi prochain. Et Eh oui, je une serai bonne fin de soirée, une bonne soirée en fait, début de soirée. là. Ah oui, 8h, on peut dire soirée, hein. Oui, tout à fait, c'est le début de soirée. Mais du coup, bonne soirée, bon week-end et bah, à mercredi si vous voulez passer pour le stream de mercredi. C'est ça. Ciao, ciao! Ciao!